Et bonsoir! J'ai oublié de mettre la lumière derrière, c'est pas bien grave. Eh bien, on va se retrouver ce soir pour jouer à Evoland 2. On a joué Evoland 1 hier, ce qui était vachement cool. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et eh bien, aujourd'hui, on va jouer au 2. Oui. Il était vachement cool. Mais très court le jeu! Trop court! Donc, je vais faire ça. Je vais rallumer le Semantics. Alors, sémantique certitude, on a trouvé ultra facilement, je crois que c'était en 39 coups. On a dû être dans les best sellers. Alors, tac tac tac. On est bon à ce niveau-là. Hop. Alors. C'est pas des mots à la con. Chaud, froid. Nature, sport, travail. Ville, maison, jeu, travail, ok, activité, cerveau, muscle, bouger, mouvement, verbe, nom, adjectif, mouvement, cyclique, et une roue. Cyclique, il marque pas le bon roue. Moulin. Hein? Est-ce qu'on essaie de partir sur le cyclique de base ou est-ce qu'on essaie de. Je sais pas. Autant rester sur le cyclique, peut-être qu'on va trouver d'autres choses après. Cyclique. Auto. Auto. Voiture. Déplacement. Mouvement. Circulaire. Et la loi de travail, mouvement cyclique, perpétuel. C'est un truc qui me. J'écris plus jamais, j'écris plus du tout avec des accents. Les accents, ils sont très utiles à l'oral, mais pas à l'écrit. Et oui, on se rend compte de ce qu'on veut écrire sans les accents, je trouve. Un jour, il n'y aura plus d'accent sur les mots, je le dis, moi. Suivre. Chercher. Chercher à 9. 9, c'est très peu. Caméra. Filmer. Cyclique, cyclique, cyclique. Attends, mais cyclique pour moi. Attends. Hello. Ok, on est déjà très loin. Mouvement perpétuel, travail. Lumière. Idée. Conception. Conception 20,32, architecture 2,67, immeuble, mouvement, non on a dit, attendez, grève, manifestation, au moins des mouvements sociaux, sociaux, social, ah, psychologique. Psychologique 2, j'ai jamais vu cette note. Social, ok, assurance. Non. Société? Non. Social. Une couche? La couche sociale? Non. Sociabilisation? Non. Oh, attends, je suis sûr que je me suis pas trompé là-dessus. Oh, il est bien écrit en plus le mot. Non, il connaît pas. Social, 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 social. Saucisse. Est-ce qu'on aime les saucisses? Non. Des lamas? Non. Lama avec un S? Non. Lama, lama, lama du froid. J'ai déjà écrit froid. Social. Ok, on se rapproche du social. Histoire. Non. Historique. Non. Psychologique. Mental. Psychologique, social et physique. Un bien-être. Non. Association. Idéologie, politique, élection, hein? Président, gouvernement, diriger, présider, dictateur. Ok. Voter.
Non? Non, non, pas voter. Politique, on est chaud dans le politique. Parlement. Discussion. Débattre. Débattre, il est dedans. Politique, débattre, débattre, débattre. Proposition, comme une proposition de loi, rien. Ok. Pas d'idée là. Salut David, comment tu vas? Hein? Politique, politique, politique. Ministre? Un plan, le plan politique, une prévision, la prévision politique. Ça va superbement bien. Écoute, je vais voir si je peux pas augmenter la taille de mon chat parce que je ne vois que dalle. Aspect du chat. Là, c'est bien. Politique, 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 politique. Réflexion. Réflexion. Retraite. Salut Raxi, comment tu vas? Oh. Mais attendez. Là, le décor est mieux. J'en suis sûr, je le sais. C'est moi qui l'ai préparé. Politique, réflexion, débattre. Gouvernement. On est vraiment sur un truc où ça punch. Premier ministre. Attendez. Sinon, intérieur. Agriculture. Après, je suis dans le truc très français et tout. Économie. École. Non, ça marche pas. Éducation. Courbe. Argent. Les cours. Non, toujours pas. Vous avez pas des idées un petit peu là? Qu'est-ce qui pourrait en ravoir avec la réflexion, la politique, la philosophie? J'étais sûr de moi là. Philosophe plutôt. Platon. Un plat. singulier peut-être, pluriel, nombreux. Un groupe. Non. Politique, réflexion, économie, débat de nombreux social. Je marque juste débat. Ok, c'est un débat. C'est vraiment un débat politique. Ambassade. Non. Pas ambassade. On marquait pays. Ville. Mairie. Région. Monde. Europe. Il connaît pas le mot Europe. Super. Une question. Quoi? Question est en plus rapprochée? Problème. Solution. Ok, problème, question politique. Problème est très proche. Situation problématique. Ok, c'est plus loin. Mais dans, on est dans ce. Je pense qu'on est dans le délire des problèmes politiques. Comment on sait? Qu'est-ce que ça peut être? Des bons pifs, hein. Problème, question politique, débat. Problème. Un accord. Merde. Accord. Accordé. Musique. Problème, question, politique, débat, solution, situation, réflexion, économie. Aïe aïe aïe. Athéna? Ça va mieux depuis tout à l'heure? C'est même pas une question que ça va mieux. Je voulais plutôt dire, est-ce que ça va toujours aussi bien depuis tout à l'heure? Secret. Mensonge. Illuminati! Les problèmes de l'Illuminati. Salutations! Diriger? Oh, j'ai déjà mis ça. Gouverner. Problème situé. Problème, question. Problématique. Oula. Ok, c'est vraiment dans l'idéologie du problème. Immigration. Zemmour! Le Pen!
Le stylo. Non, ça ne marche pas. Un problème problématique. Résoudre. Je suis proche. Résoudre problème. Macron, tu vas gagner. Macron. Non. Macaron, peut-être. Non. Questionnement. Non. Question, j'avais mis. Ouais, il est juste en. Il est 39,94. Résoudre. J'ai marqué trouver, je sais plus. Non, j'ai pas marqué. Mathématiques, bien sûr. Bretagne. Breton. Non, merde, j'ai marqué tréton. Breton. Comme ça, si. Grisul arrive, je l'aurais déjà marqué. Interrogation, bien vu. Interroger peut-être. Là en fait on est. En fait je crois qu'on. Là on est dans un truc où on reste bloqué sur le résoudre problème, etc. Faut qu'on essaie de s'extrapoler de ça et qu'on se rabatte sur politique, sur débat. On va essayer immigration. Non, ça marche pas. immigrer par contre. La vie. On réfléchit pour la vie, par contre. Logique. Oh. Simplicité. Difficulté. La vie est difficile. Raisonnement. La raison. Vrai. Vérité. Vrai au masculin. Progression. Évoluer. Évoluer qui est pas si bon que ça au final. Une courbe. Croissance. On rappelle aussi qu'il y avait économie. Non, économie il est plus loin. Il est plus loin. Putain. Croissance. Envoyer. Non. Une tarte. Je sais pas, je me dis mettre une tarte au président. C'est déjà arrivé. Suivre. Actualité. Non. Hey, là, c'est vraiment un vin d'honneur. L'honneur. Valeur. Il faut mettre au singulier à chaque fois. Nombre. Chiffre. Résoudre. Problème. Problématique. Question. Dissertation. J'ai. Sujet. Un petit sujet comme ça. Politique interrogée. Débat, difficulté, solution. Résoudre. Résoudre, on l'a déjà noté, je crois. Là, il est en 106. Oh, je vois pas. Hein. Diplomatie. En effet, on peut essayer. Diplôme déjà, non? Ok, il faut mettre un putain d'accent circonflexe sur le O. Diplomatie. Non plus. Entente. Dualité. Ennemi. Allié. Non. Est-ce que les mots écouter, etc. Entendre, parler, discuter, parlementer, auditionner, ouais je vois, ouais, auditionner, ça peut être, ça pouvait avoir un rapport. Problème. Question, si on a déjà marqué question. Une interrogation, on a marqué interrogation ou il a marqué ? Interroger le verbe peut-être ? Questionner, on l'a marqué questionner ? Je crois pas. Questionner n'est pas bon. Interroger fonctionne mais pas questionner, bizarre. Hmm.
Me voilà un peu embêté quand même. Embêté. Embêté. Non, toujours pas. Compliqué. Non. Je crois que difficulté, je l'ai marqué, est juste difficile pour voir. Oh. Oh. Difficile, c'est le mot le plus chaud qu'on ait trouvé. Difficile, problème, résoudre problématique. Demander. Non. Difficile. Complicado. Oh merde. Dur. Interviewer. Non. Entretien. Non. Situation. Je crois que je l'ai déjà noté, situation. Ouais, on l'avait déjà noté, il est en dessous. Difficile. Difficile problème résoudre. Neurone. Réfléchir. Et merde, j'ai mal marqué réfléchir. Réfléchir là aussi. Oups. Météo. Diffusion. Information. Ah, ok. Ça marche. Ça marche, Athéna. Ok, ok. Et là, ce qu'il dit, il n'y a rien de pertinent. Pertinent. Oh, pertinent était un bon mot. Mais, Ouais, de toute façon, elle l'entendra pas. Bon, je le dirai quand elle l'entendra. Trouver. Non. Ah. David qui fait pigeon voyageur, consulter. Putain, on a le mot difficile en premier. Dis à Athéna qu'on a le mot difficile en premier parce que je suis pas sûr qu'elle l'ait vu. Problème difficile. Élite. Non. Merde. Augmenter. Non. Serviable. Non. C'est le mot difficile qui est en premier. Des personnes. Un groupe. Non, j'avais déjà marqué. Mais je sais que nombreux avait un. Nombreux avait un rapport. Nombreux. Coupable. Justice. Énigme, enquête, écologie, merde, la sécurité sociale, sécurité sociale, parce que le début du mot, le premier qu'on a eu, c'était social. On est passé sur questionnement, évoluer, nombreux, débattre, économie, réfléchir, croissance, réflexion, logique, interrogation, situation, solution, difficulté, débat, interroger, pertinent, politique, question, ardu. C'est dans l'idée. En fait, on tourne autour. C'est le raisonnement, on l'a déjà dit. Méchanceté. Non, ça marche pas. Gentil. Méchant. C'est pas bien d'être méchant. Compliqué. Mais je crois que compliqué, on l'a déjà noté. Hein. Ouais, on l'a déjà noté. Une complication. Non. Adjuer. Compétition. Duel, dualité, difficile, dualité, problème, résoudre, problématique, question,
ardu, politique, pertinent, interrogé, débat, difficulté, solution, situation, interrogation, logique, réflexion, croissance, réfléchir, solutionner. Non. Résolution. Année. En état? Non. Non, 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 non. Non, mais ça doit être... Haïr? Non. Non, 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 non. Ah, je suis... bloqué? Bah, en vrai, peut-être. T'as raison, David. Mais le truc, c'est qu'on a difficile problème, résoudre problématique, question, ardue, politique, pertinent, interroger, débat, difficulté, solution, situation. Mais je pense qu'on est vraiment sur un truc où on doit répondre. J'étais quasiment sûr de moi, là. Réponse ? Non. En fait, plus on a avancé, plus on est dans le chaud, là, plus on est dans... cette bulle du... c'est dur. Dureté. La pierre. Difficile. Qu'est-ce qui est difficile? La reprise du sport. Reprise. Limité. Dans l'idée, c'est dans l'idée, c'est dans l'idée. Droit. Devoir. Agir. Source. Attends, on a des limites, mais on a aussi des besoins. Et... besoins, oui. Et ressources. Non. Envisager. On se rapproche. On se rapproche. Envisager. Proposer. Envisager. Envisager, il faut qu'on trouve sur envisager. Envisager. Prévoir. Goûter. No way! Énergie, on va essayer. Comment tu vas, Way? Énergie nucléaire. Non. Attends, mais t'es en train de dire que tu le fais de ton côté aussi, Way? Énergie, du temps, patience, non, passion, tout simplement, non. Découvrir, non. Une quête, un jeu, non. Utiliser, s'entourer, entourer. Argumenter. Oh, j'aurais... oh putain, c'était une bonne solution. En fait, il prend pas les S apostrophes. Enquérir. Conquérir. Guerre. Paix. Non. Ah. VIP. Non, ça marche pas, il connaît pas VIP. Ça va bien et toi? Ouais, j'ai commencé hier soir. Ça a superbement bien, écoute. Là, celui d'hier, c'était... celui d'hier, j'ai trouvé trop facilement. Et j'ai trouvé de manière un peu trop sexiste. J'ai trouvé le mot femme. J'ai dit, oh non, ils ont pas mis ménage. Genre, j'ai mis ménage, c'était bon. Je me suis trouvé un peu en mode, oh non, quand même pas. Étape, parcours, chemin, randonnée. Randonnée était random, là. Random. Hasard, aléatoire. Je pense pas qu'il faut. Non, aléatoire, faut pas qu'on le prenne en compte. Machine. Technologie. Médecin. Psychologue. Consultant. Non. Épée. Non. Ah, mais on commence à avoir des conneries, moi, à force, là.
Précis. Précision. Non. Précis était un peu, mais pas tant que ça. Précision. Convenir. Ah, j'étais quasiment moi. Positionner. Un tout petit peu. positionner. Être sûr. Argumenter, je crois qu'on l'a déjà mis. Merde, 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 merde. Ça bloque. Animaux. Humain. Et rien. Ok, humain, ça marchait un peu. En groupe, on a déjà essayé. Social, société, sociabiliser. Entendre. Discuter. Chercher une solution. Nous allons... J'essaie d'argumenter des phrases dans où est-ce que ça pourrait arriver. Nous allons... faire un match à mort. À mort. Gouvernement. Le gouvernement, on l'avait déjà mis. J'adore, c'est un faux random. Sachez que Ninja Warrior, et ben c'est de la merde, voilà quoi. Je regarde ce que c'est Ninja Warrior. Ah, ça existe encore Ninja Warrior. Ah, Ninja Warrior, c'était le truc qui passait aux États-Unis. Attendez. Ouais, c'est un mode Total Wipeout. Oh, ça existe, c'est en France. Bah c'est nul. Ils auraient dû le faire ça il y a des années. Hein. Je vais lever un petit peu. Rétis, il est étonné que ça existe encore Ninja Warrior. Mais je te jure que pour moi, Ninja Warrior, c'était il y a tard l'époque. C'était des émissions à l'américaine, un peu Total Wipeout, ce genre de choses, mais... Étonné. Mais regarde, regardez. Entendre. Écoutez. Moment. Même. Télévision. TF1. Maman. Papa. Enfant. Adulte. Doyen. Pouvoir. Non, pouvoir, ça marche pas. Projection. En mode se projeter dans l'avenir. Projeter. Non. Rire. Spectacle. On rigole à les spectacles. Abonnement. Mais élection, ça rentrait pas déjà de base. On va réussir élection. Électorat. Non. Des voix. Position de loi. Non, diplomatie, on a déjà fait. Je le remarque si tu veux. Parce que là, on n'entend pas ce que je dis de toute façon. Diplomatie, on l'a déjà fait. Merde. Police. Politicien. Non. Mince. Et parti, dis donc. Ah là là. On a bien embêté. On a bien embêté. Courage, détermination, déterminer, détermination,
Participation. Suggestion. Dommage, parce que ça va avec proposition, ça va avec... Ouais, ça va avec tout ça. Suggérer, par contre. En tout cas, c'est bien, j'entends même pas ton chemin de pensée. C'est dommage. Croyance. Religion. Dieu. Et c'est dommage, et ça me fait rire. allez, commentaire. Avis. Difficile. Problème. Normalement, il y a une solution à un problème. La philosophie, non. La science, non. Résultat. Obtenir. Non. Sarcasme. Mensonge. La politique nous ment, de toute façon. Circulation. Route. Voiture. Non. Soulever. La fonte. Musculation. Soulever, porter. Non, soulever, amener. Et soulever, je crois que c'est avant, mettre, un peu mettre en avant. Combattre, t'as essayé? Non. Combattre, dangereux. Non. Instable. Stabilité. Stabilisation. Non. Bataille. Chevalier. Stable. Ronde. Ils ont mis quoi? Bon sang de bonsoir. Bon. Attends. Du sang. Vampire. Exigé. Résolution. Hypothèse. Pas toujours une hypothèse pour recherche. Non. Effort. Oh. Tuer. S'engager. Engager, non. Pendant 5 minutes. Expérience. Pourquoi t'entends pendant 5 minutes? Histoire. Non, histoire, on l'a déjà noté. Compétence. Oh, faut que je mette au feu. Capacité. Intellectuel. Compréhension. Compris. Diriger, je crois que je l'ai déjà mis. Hein. Ouais. Gouverner, je crois que je l'ai déjà mis aussi. Hein. En fait, je pense qu'il faut qu'on essaie de trouver encore des synonymes de ardu, de difficile, de dur. Question. Question, on l'a déjà noté. Je suis parti de prise, théorie et la clé. Et on est à problème et. Et on en est à problème et résoudre. Quoi, t'as prise? Ouais, c'est tout petit, prise. Théorie et clé. Complot. Théorie du complot. Donc on essaie de trouver des synonymes, je pense, maintenant.
Dévisagé. Suspect. Innocent. Gentil. Ange. Signe. Astrologie. Non, je crois que difficulté, on l'a déjà mis. Hein. Il est là. Il est juste ici. Oh. N'existe pas. J'adore faire cette blague. Problématique. Gagner. Réussir. Doute. Certitude. Ok. Se viser, comment tu vas? Dommageable. Oh, rentre. Qu'est-ce que tu racontes de beau viseille? Réussite. Existence. La vie. Le bonheur. Il est où le bonheur? Il est où? Il est là. La vérité. Basique. Simple. Mathématiques, mais je pense que ça a déjà été dit. En effet, mathématiques, ça a déjà été dit, mais pour pur bonheur, on va le refaire. Alors, je suis pas sûr qu'ils prennent tous ces mots-là. Cisation. Non, il prend pas le mot. Parcours, j'ai déjà mis, en effet. Sujet. Sujet, on a dit que c'est... Précision. Déterminé. Conglomérat. Quoi? Je pense qu'il doit avoir un accent. Ça. Merde! Plus proche est difficulté, résoudre, problème, problématique, question, ardu, politique, pertinent, envisager, interroger. Métier? Non, c'est pas un métier. Sinon, je pense que ça aurait été un peu proche. Accomplir. Envoyer. Renvoyer. Non. Sport, technique, connaissance, je crois que j'ai déjà marqué connaissance. Administration, laborieux, laborieux, Minecraft. Non, il connaît pas Minecraft. Une pelle, feuille, écrire, parler. Marché. Exigeant. Exiger. Exagération. Exemple. Mission. Accablé. Bon. Pénible. Chiant. Rentabiliser. Ça peut rentrer dedans peut-être. Non. On a dit logique, non? Déduction. Non. Peigné comme nous actuellement. Non. Exact. Non. Dénoter. Sens. Bon. Mauvais. Remarque. On dit, on a déjà dit. Fonction. Système. Système. Une organisation. Semble. Tous. Ok. Bah tiens, on a pensé au même mot organisation.
organiser un barbecue. Fête. Difficulté, problème, résoudre problématique, question ardue, politique, pertinent, envisager, interroger, débat, soulever, système, difficulté, stabilité, solution, situation. National. Local. Personnel. Il connaît même pas intergouvernementalisation. Je suis content, j'ai réussi à le dire du premier coup. Équilibre. Balance. Non. Équilibre était un peu bon. Et poids. Forcer. Imposer. Imposer. Critique. Un assaut. Ah. Ultranationalisme. Moi, tu ressors tes cours là. Ultranationaliste. J'aime le mot long. Long. Court. Simplicité, simple, souple, esprit, en tête, corps, cerveau. Faut trouver un mot en gros. Pour moi, il y a ce truc là où ça se fait ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. J'ai trouvé des mots synonymes à ensemble ou à groupe. Réflexion. Passé. Plus. Moins. Mort. Mort. Bon, déjà dit. Avoir. Être. Verbe. Non. Manipulation, ça ne marche pas. Mur, méga, ninja, warrior. Attends. Merde. Regardez comment on est proche, regardez, on est à 17 mots. On a le 981, 982, 983. Aïe, 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 de quoi dégoûter plus d'un ninja. Proposition, loi, étatique. Non. Efficient. Efficient. Efficace. Efficacité. Révolutionner. Révolution. Non, par contre, efficacité, il rentre dedans. Efficacité, efficacité, efficacité. Qu'est-ce qu'on peut avoir ? Efficacité. Caractère. Non. Maximum. Apogée. Puissance. Sans. Satisfait. Satisfaction. Non. Satisfaisant. Rien à dire. Bien joué. Production. Produire. Produit. Résultat. On attend des résultats. Effort, on a dit. Minimum. Écourté. Allongé. Dépensé.
Affaires, police. On rappelle qu'il y a aussi économie, argent. Rendement. Action. Mot. Ton. Toi. Moi. Veulent. Vouloir. Marche pas. Environnement. Envisager. Aspect. Angle. Voir, regarder. Considérer. Interrogation. Interroger. Correction. Évaluation. Et voir. Imaginer. Possibilité. Possible. Position. Projet. Non, mais je pense pas qu'il y ait... On va déjà marquer événement. Événementiel. Controverse. Public. Par rapport au débat public. Hocher. Hoc. Adéquate. En adéquation. La sagesse, sage, juste, perspicace, perspicacité, cacité, basculer, non, sombrer, alcool, approprié, appropriation, culture, elle, légitime, légitimité, légitimi, ça n'existe pas ça, légitimé, délibération, toilette, légitimité. Ok, légitimité est pas si loin que ça quand même. Qu'est-ce qu'on continue sur le légitime? Équitable. Partage. Source. Et on sens, sensation, devinette, réponse, rire, offrande, sens, je sais plus si sens il y a quelque chose. Présenter, oraliser, érable, apparence, égalité, paternité, domaine, élection,
étions pariés. Régulation. Régulariser. Régulation, 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 faut trouver. Jump, j'ai failli écrire jump, putain. Régulation. Ajuster. Ajustement. Vêtement. Mode. Une allure, un air, une apparence. La vue. L'odorat. Oh. Non, parce que je... Enfin... Mettre niveau en mode étape par étape, mais non, c'est pas ça. C'est une poinx. Voilà, ok. Étage. En difficulté, on l'a déjà mis. Bien, je vais viser pour étoile. Exprimer. Agir. Développement. Action. Et. Développer. Développer le verbe. Achever. Lire. Site. Site. Interrogatoire. Linguistique. Ré. Point. Battre. Activité. Programmer. Programmation. Non, ni l'un ni l'autre. Résoudre, on l'a déjà mis. Résoudre, résoudre, résoudre. Red. Scarpé. Relation. Relatif. Objectivité, subjectivité, flemme, emprunter, mener, revendication. Un Q, avec un C. Revendication. Pénibilité. Non. Facilitation. Félicitation. Historique, couleur,
c'est mieux comme ça. C'est quoi ça, collaborer? Ah, on peut faire une équipe. Oh, on peut faire une équipe. On part. Vous pouvez carrément le faire avec moi en même temps. Impartialité. Du coup, des trucs sur le jeu, notamment qu'on peut faire une équipe, trop bien, mais ouais. Mais ouais, c'est trop bien. Je peux obtenir un code. Wow. Si, attendez, je vous mets ça là. Hop, si vous voulez me rejoindre et m'aider, allez-y. C'est le code. Merde! Putain! Et là, de toute façon, quand on regarde. Il y a quelqu'un, il y a deux personnes qui sont venues. Allez-y, proposez, mettez des mots, les personnes qui sont là. De toute façon, regardez, il y a que 7000 personnes qui l'ont trouvé pour le moment, c'est que le mot est vraiment dur aujourd'hui. Il y a des dignités un peu plus compliquées, déroulement. Alors que facture, genre de choses, c'est plus simple. Héroïne, ils l'ont mis au féminin. On a une jolie montée. C'est dommage qu'on puisse pas voir qui est venu. Enfin, qui est en train de jouer avec moi. Qui c'est qui joue avec moi, là? Ah. Ok, Visei. En gros, tu vas sur Sémantics, tu vas sur le petit... Il y a plusieurs trucs. Et t'as juste à droite du parchemin. Et tu mets le code que j'ai marqué pour rentrer. Mais allez-y, mettez des mots juste pour voir. Je fais juste un test. Allez-y, proposez. Et tu copies-colles le code que j'ai noté dans le chat. Copier. Coller. Collaboration. Collaborer. Être. Merci. Et code, compréhension. Et compréhensible. Compris. Comprimé. Allez-y, marquez des mots s'il faut. Chercher. Et hier, demain, pour. Ah. Trouvé par 7000 personnes, c'est peu. 2 heures avant la fin, c'est peu. Annexe a été trouvé une fois par 7000. Je sais pas trop en fait ce que... Dites-moi les mots que vous avez notés et que je regarde après s'ils y sont. Marc, attendez. Il faut que quelqu'un marque confiture. Quelqu'un peut marquer confiture. Mais problématique, il y était déjà de base, c'est pour ça. Regardez, c'est 104, donc c'est vrai qu'il était avant. Regardez. Oh, c'est bon. Regardez, je vois quelqu'un marquer impasse. Si, c'est bon, ça marche. Je pense que ça prend un peu de temps à s'actualiser, mais ça fonctionne. C'est bizarre, j'avais remarqué. J'avais marqué. Attends, CTRL F, confiture.
De toute façon, j'ai vu que ça a changé. Je pense que ça change peut-être que... Que quand il y a... Que quand c'est en rouge. Qu'est-ce que je veux dire ? C'est que quand vous trouvez un mot rouge que ça s'actualise pour tout le monde. C'est rigolo de me dire qu'on est 5 à chercher et que personne ne trouve. Attends, 547, est-ce qu'il y a un autre mot qui apparaît ? Apparition. 548, ouais, non, il n'y a pas d'autres mots qui ont été proposés. Non, proposition, j'en suis sûr que c'est déjà été fait. Ami, collègue. Collègue. Réforme. Constitution. F. F, certain. Ouais, tu vois, ça marche. Certain, c'est pas moi qui l'ai marqué. Tu vois, ça s'affiche petit à petit. Assuré, incontestable. Ok, contestable. Détournable. Ok. Indubitable. Dubitable. Contestable. Peut-être incertitude. Ok, incertitude est plus mieux que... Ok, incertitude est au-dessus de certitude ou certain. Attends, Etana, est-ce que tu vois la même liste que moi ? Est-ce que tu vois la même liste ? Est-ce que t'as les premiers mots ? Ah, mais je suis plus avec vous ! Ah ! C'est donc pour ça... mieux. Mais bon, je suis avec vous. Question. J'étais plus avec vous un moment. J'ai la même liste, mais avec moins de mots, je crois. Mais vérifiez bien que vous êtes dedans, au cas où. Rejoindre. Joindre. Fusion. Idéologie. Je pense qu'il faut qu'on trouve d'autres mots avec incertitude. Évitable. Alors, incertitude. Synonyme. Doute. Douter. Embarras. Embrasser. Indécis. Décision. Décision. Décider. Décis. Non, ça n'existe pas. Perplexe. Perplexité. Perception. Percevoir. Villageois. Échange. Merde, il fallait que je mette les mots. Village. Échange. Diamant. Émeraude. Ah. Culpabilité. Épaule. Revenir. Attendre. Patience.
patient. Savoir. Est-ce qu'il y a un contraire à savoir ? C'est pas le contraire de savoir. Lacune. Et ignorer. Ignorance. Manque. Bien joué. Bien joué pour manque. Je sais pas qui c'est qui l'a trouvé. Moi, je suis capable d'être des petits pseudos là qu'on puisse voir. Capable. Capacité. Ça, on l'a déjà noté avant. Connaître. Et posséder, dominer, exceller, langue, courant, infuse. Et what? What? Mais incroyable! C'est fou qu'on soit 4 dessus! On soit à 4 en train de galérer comme des petits fous. Politiquement! Média. Médiatisé. Compte. Compter. Rendre. Mesure. Mesure nulle. Caler. Révéler. Un potentiel de dingue. Révélation. Redoutable. Redouter. Redout. Doute. Instruire. Leçon. Son. Cacher. Taire. Dire. Crier. Parler. Chanter. Exprimer. Expression. Ah, j'en envoie des mots. Tous les mots qui me passent par la tête, là, gigot. Allez, devant, derrière. Non. Savoir-faire. Savoir-être. Apprendre. Appris. Merde. Je dis souvent le mot merde, hein. Pas sur le stream le plus poli. Si j'ai envie d'attraper l'étoile. J'ai pas réussi. Ah, mais y'a un retard où ça se passe comment avec les étoiles là? Pas grave. On n'est pas là pour voir des étoiles. Peut-être étoiles sautées. Graduées. Qu'on peut faire le poisson. Quelque chose. Ding. Envoyez. Apprentissage.
Attention. Oh! Appréhender. Appromption. Ça existe le mot appromption? Je crois que j'en invente là. Prendre. Je sais plus si on l'a noté à prendre. Donc, appréhender, il serait dedans. 885. Synonyme de appréhender. Crainte. Arrêter. Continuer. Redoutable. Je me souviens plus on l'a doté. Je crois que si. Inquiet. Je vais aller aux toilettes, je vais revenir. Réfléchir un petit peu là. Petit à petit, le compteur il continue ici. Hein. Vérifie si t'es toujours dans le truc collaboré. Vérifie que t'es bien dans le truc collaboré avec le bon code et tout. Je suis sûr qu'il y avait le mot ensemble. Tu vois, regarde, il y a quelqu'un qui vient de marquer impossible, je viens de l'avoir. Impossibilité. Possible. Possibilité. Ok, ok, pas de soucis, oui. Impossibilité. Marche. Déconnecté. Déconnexion. Définir. Difficilement. Je vais te mettre, je reviens. Avec un peu de chance, quelqu'un va le trouver pendant que j'y suis. À tout de suite.
Renforcé, tiens donc. Ah, je sais pas si ça a été noté, mais renforcement. Désigné. Désigné. Désignation. Encore 5 dessus. 5 à galérer encore. Des petits idiots là, vraiment. Idiot aussi. Difficulté, problème, résoudre, problématique, question, ardue, politique, pertinent, envisagé, aspect, incertitude, secrétaire, circulaire. Ah, c'est pour ça que... Ah non, circulaire, on n'avait pas du tout. Délicat. Oh tendu. Délicat. Délicat, faut qu'on continue sur le mot délicat. Je sais pas qui l'a trouvé, mais bien joué à lui. Faut qu'on continue sur le délicat. Délicat. Délicatesse, délicat. Fragile. Fragilité. Franchement, ça va avec le terme de... hésitant. Hésitation. Hésitation. Merde. Qu'est-ce que ça peut bien être? On est vraiment à côté du mot. Confiance. Oh, bien. Je crois qu'il a trouvé. Mais le mot délicat, moi, je trigger dessus. Hein. Je pense qu'on devrait un petit peu se rapprocher sur délicat. Qu'est-ce qui est délicat? La laine? La soie? La laine? Ses valeurs? Les valeurs délicates? Engagé? Comment est-ce qu'on pourrait définir le fait que l'on veut trouver une solution pour tout le monde? Comment est-ce qu'on pourrait définir ça? Est-ce qu'on pourrait trouver un mot pour ça? La politique? L'argent? L'argent? La moula? Ça, il connaît pas le mot moula, bizarrement. Le mot moula est internationalement connu. On l'entend dans les musiques, on l'entend partout. Universel. Ouais, objectif aussi. But. Non, objectif, je pense que c'est vraiment objectif dans le sens global. Mais le mot délicat, moi, je suis sûr qu'il y a un truc à faire avec délicat. Synonyme de délicat. Fragile. On a déjà marqué fragile. Fragilité. Et avenir. Épineux. Futur. Oh, avenir, futur, difficulté, presque. Attendez, presque. Oh, le avenir. Avenir, attends. Espoir. Espérance. Merde, les vieux. L'époque. 666, le diable. Avenir. L'avenir nous le dira, l'avenir. Temps. Merde, j'ai pas vu le mot. Beau. Je sais bien que presque t'es pour avenir, mais bon, j'essaye quand même. avenir. Il y a quoi comme synonyme de avenir? Synonyme, avenir. Destinée. Destination. Non. Postérité. Suivant. La suite. Prochain. Génération.
progression. Ah ouais. Le avenir, il m'a... Je m'y attendais pas. Surtout qu'il est, il est chaud parce que... Anticipation. Oh oui. Bien vu. Anticiper. C'est pas ça. On peut voir des synonymes de anticiper par contre. Anticiper. Qu'est-ce qu'on a d'anticiper? Avancer. Avancement. Décaler. Devancer. Hâte. Précipiter. Accélérer. Accélérer, ok. Accélération. Accélération. Prévenir. Prévention. Soins, santé. On est si proche. On est si proche. Prévisible. Prévision. Prévoir. Prévu. Pré. Proche. Géographie. Les gars, on est 5. On est 5 à galérer comme ça. Important. Ok, important, important, important. Essentiel. Oh, yeah. On y est presque. Mais putain. Primordial. Je vais m'énerver. Ah. Kuma, je sais que t'es là. Je sais que t'as des idées tout le temps. T'as des bonnes idées, toi. Fondamental. Oui. Allez-y. Allez-y. Fondation. Essentiel, primordial, important, fondamental, majeur. On y est, les gens. On y est. On est sur la bonne voie, là. Allez-y. On peut le faire. Oh là là. Principal. Oui. On, ok, donc en fait, on faisait votre route virale. Et Kuma, je sais que t'aimes bien ça. Regarde ce que je fais. Viens, viens sur le jeu. Tu vas en haut, tu appuies sur la truc collaborer et tu peux jouer avec nous avec ce code. Vital. Oui. On est à côté, mec. On est à côté. En fait, on est resté bloqué sur difficile problème, résoudre, etc. C'est cher. Ça nous est cher en mode... Eh, ah, dans mon cœur. Pardonnez. Ok, quelqu'un l'a retrouvé. Quelqu'un l'a trouvé. Quelqu'un l'a trouvé parmi nous. Visez, tu dis rien. Ok, Visez l'a trouvé. Ah, oh, putain. Putain. Essentiel, primordial, important, prioritaire. J'y ai cru. Priorité. J'ai visé. Franchement, bien joué. Franchement, rien à dire.
Priorité. Oh, mais merde! Retour, alors, ce lien. Mais... Je t'ai envoyé un code au-dessus dans le chat. En gros, tu vas sur le site de Semantics et tu vas sur... te mettre en collaborer et tu marques le code qui est au-dessus. Essentiel. Il est trop bien ce site, Lisa. Je pense que je vais le faire tous les jours. Enfin, quand je streamerai du moins. Essentiel, primordial, important, fondamental, principe. Principal. Principalité. Attends, mais on est combien là? On est 7, je vois 7 personnes. J'ai plus de personnes qui jouent avec moi sur Semantics que... que sur mon stream. Merde. Essentiel, primordial, important, fondamental, vital, majeur, difficile. Wouh! Bienvenue Raptor! Comment vas-tu? Il y a une emoji GG en plus visée si tu veux maintenant. Je crois qu'on galère tous maintenant. Il y a Visé qui a trouvé là de son côté là, il a bien réussi. Urgent. Ok, cette personne est importante, cette personne est fondamentale, cette personne est primordiale, cette personne est essentielle, cette personne est indispensable. Je me lève contre moi. Dispensable. Utilisable. Cette personne est... Je pense qu'il faut qu'on essaye avec. Je pense que ça doit être un adjectif parce que tous sont des adjectifs. Genre, ceci est essentiel, ceci est primordial, ceci est important, ceci est fondamental, ceci est vital, ceci est majeur, ceci est indispensable, ceci est. Utile. Réalisable. Réalisation. Réalité. Pas trouvé. Central. Oh putain, bien joué. Centralisé. Centralisé. Et chaleureux. En fait, je suis en train de réfléchir, mais c'est ultra compliqué.
premier. Non, mais je pense qu'il faut qu'on cherche un adjectif, vraiment un adjectif qui est en rapport avec tout ça. Vital, majeur, indispensable, tout ça. Salut Grimzouille, comment tu vas? Ça fait une heure qu'on cherche le mot. Il n'y a que Visé qui l'a trouvé. Parce qu'en gros, on a trouvé qu'on pouvait collaborer ensemble. Comment tu vas, Grimzouille? Je donne beaucoup trop d'infos là. Ma pauvre, je te bombarde d'infos là. premier. Ah bah. T'as trouvé Koba? Mais. Ah, arrêtez! Je me sens nul! Est-ce que. Allez-y, j'accepte à ce que vous me fassiez des indices, mais le plus subtil possible que vous pouvez faire. Essayez voir. Si vous n'avez pas, si vous avez pas d'idée, ne le faites pas. Vraiment que. Dites-vous que ça peut être subtil. Mais oh ouais aussi, non mais. Oh, je me sens mal. Ok, si je cherche la définition, c'est qui permet de décider, de choisir entre des hypothèses. Et tu sais quoi que le synonyme de choisir entre des hypothèses. Qui permet de... Quoi? De choisir entre des hypothèses. Nécessaire. Putain, je suis proche. C'est un adjectif. Mais en fait, je sais que c'est un adjectif parce que tout à l'heure, genre, c'est ce que je me dis. Ceci est essentiel, ce serait primordial, ceci est important, ceci est fondamental. C'est un adjectif, adjectif. Ça finit par L existentiel. L. Pareil. L. Il connaît pas le mot L. L. Crucial. Let's go. Youhou. Youhou. On l'a trouvé, putain. Oh là là! Oh là 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 là! Oh, fallait avoir envie! Oh putain! Oh là 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 là! Oh, mais ça, je l'aurais jamais vu tout seul! C'est pas logique! Y'a rien de logique avec ça là! Attendez, je vois les autres mots qu'il y avait un peu là. Parce qu'on était. On les avait quasiment tous. Décisif, oui. Enjeu, déterminant. Mais en fait, le problème, ce qui nous a posé problème là, c'est ça. Problématique. Qu'est-ce qu'on a eu aussi? Résoudre problème. Pourquoi il y a problème? Ah si, problème crucial, c'est normal. C'est logique, c'est bien sûr que c'est logique en vrai. Nécessaire question abordée aujourd'hui, ampleur délicat. Aïe. On a trouvé pas mal. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais... Et dites-vous... là, vous voyez, aujourd'hui, il y en a 8000. Hier, il y en a eu je ne sais pas combien. Il n'y a pas plus qu'avant ça? Parce que je sais qu'avant, je le faisais bien plus que ça. Bon, oui, logique, voyons. Mais Grimzou, tu viens d'arriver à la fin, arrête. Registre. Mais voyez, je me demande si sur toutes ces personnes-là, regardez, il y en a quasiment 10 000 par jour qui le réussissent. Ça fait depuis 325 jours. C'est-à-dire qu'il y a quasiment 325 000 réponses, entre guillemets. C'est vraiment un calcul. Non, 3 250 000 réponses qui ont été faites depuis le début. C'est très indicatif. C'est très peu indicatif plutôt. Ça veut dire que sur 3 millions, il y a forcément un jour un type qui a réussi à voir le mot 1 jusqu'au mot 999 avant de trouver le dernier. Je suis sûr qu'il y a un type qui a déjà réussi à faire ça. Considérable, mais oui, ça aurait été logique. Oh là 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 là. Putain, ça m'est pas venu. Ça m'est vraiment pas venu du tout. C'est bizarre. Est-ce que, puisqu'on est beaucoup là sur le stream, est-ce que vous voulez qu'on fasse un basket? Est-ce que ça vous tente? Et faire un basket avec les petits avatars là.
C'est vraiment pas facile. Non, franchement, celui-là, il était assez compliqué. C'était pas le plus évident. Ok. Mais écoutez, on va faire un basketball. Alors, vous faites join. Alors, point d'exclamation, join 1 ou 2, comme vous voulez. C'est vous qui choisissez. Le type chiant. si ça marche pas, faites juste join. Merde, ça marche pas. Ça marche pas. Merde. Attendez. Comment ça se fait? Bah non, en fait, j'avais fait en sorte qu'on... Le coyote et le lama, je l'avais fait en sorte qu'ils y soient plus. Parce que ça marchait pas. event. Data settings, bot command, mini games, basketballs, team. Si je mets pas de nom de team. One. Vous appelez par one et two. On va essayer. Voir tous les avatars tomber, c'est rigolo. Basketballs. Join. Merde. Écoutez, je pense que je vais report l'info au serveur. Le job ne fonctionnait pas non plus. Attendez. Non. Et si on essaye sans l'espace? Enfin, sans le... C'est vrai que le jump ne fonctionnait pas tout à l'heure. J'avais zappé ce truc-là, mais oui. Bah, en vrai, Grimzou, vas-y, essaye. Non, Goku m'a laissé tomber. Grimzou, vas-y, essaye. Essaye ton... Déjà, en fait, le truc, c'est que le basket fonctionne. Mass Hug. J'ai pas l'impression que le Hug fonctionne correctement. Non, je peux pas faire de câlin. Oh non, mais... Attendez, je vais regarder sur le Discord. Annoncement. Alors, il a été fixé les extensions pour les items qu'il y en avait besoin. Attendez. C'est-à-dire que... Explose la figure. Parce que, attendez, si je fais ça... Ok, par contre, les récompenses fonctionnent. Les récompenses fonctionnent. C'est déjà ça. Si je fais danser tout le monde, c'est bon. Ok. Ça fonctionne. Tout le monde est en train de danser. J'ai l'impression que les commandes fonctionnent, mais dans les panneaux de stream avatar. C'est bizarre. Tant qu'on paye. Donnez la moula. Allez-y, donnez la moula un peu, là. Mais bizarre que ça fonctionne pas d'un coup. Oh. Ok, je vois. En gros, vous allez voir en bas. On va essayer. On va... Est-ce que... Je vais voir aussi moi directement sur Twitch. Regardez, quand vous allez sur... Ah, j'aime pas m'entendre. Oh, c'est un truc. Oh, je vais faire une loupe infinie. Oh, c'est parti. On va avoir une loupe infinie.
Je suis un con. Regardez ma tête. Regardez si je fais ça. Après, ça va le faire sur les autres streams. En vrai, j'ai quoi, 1-2 secondes de latence, c'est peu, je trouve. Alors, vous allez ici, dans Stream Avatar. Vous allez voir des choses que normalement vous n'êtes pas censé voir, mais pas de soucis. Oh. Par contre, mon avatar. Eh, hey, respecte. Respecte mon avatar, frérot. Oh. Alors là, ça, c'est des trucs que j'ai mis. Je verrai un jour si vous aurez, vous y aurez accès. Je verrai. Alors, si je vais dans... Action. Si je marque le jump ici, est-ce que je vais sauter? Ok, je saute. Ok, donc on va refaire un truc. On va refaire le basket. Attends, est-ce que les câlins fonctionnent? Par contre, si je fais hug. Attends, faut que je marque correctement le pseudo du coup. Si je marque hug Kuma, est-ce que je vais faire un câlin à Kuma? Attends, on va voir. Bah, je vais... Regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais le noter de mon côté. Comment chat ne fonctionne pas? Je le mords sur une feuille. Comment chat fonctionne pas? Comme ça, je me le note pour demain. Et je ferai ça demain. En puissant hug. Mais il n'y a pas possibilité de faire ça, attendez. Je sais qu'avant ça fonctionnait. Ah si, regarde-moi ça. Là, tu te prends en puissant hug, Kuma. Regarde-moi ça, tout le monde va te faire un câlin. C'est-à-dire c'est au niveau des stats. Leaderboard. Viser toujours à fond sur la thune. Sur les étoiles, c'est Gripzouille. Sur les duels gagnés, c'est Athéna. Athéna avec Gripzouille, attention. Mais l'amour de l'amitié est trop puissant. les duels gagnés, c'est Athéna. La roulette, c'est moi qui ai le plus perdant. D'accord. Et les hugs donnés, c'est Gripzouille. Ce mois-ci, on a déjà donné 113. Incroyable. Bien joué, Gripzouille. Rien à dire. Vizier qui vient d'en donner un. J'ai vu le truc augmenter d'un coup. Bon. Bah, fuck. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Gros fuck, hein. Le hug, tu le hug. Pas sûr. Je suis premier nulle part. Ah, mais c'est pas bien grave. Mais Gripzouille, en même temps, elle nique tout. Elle est trop forte partout. Gripzouille, elle gère partout. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de câlin. C'est vrai? Mais attendez, d'ailleurs, ce truc-là, j'ai jamais compris. Tu sais, on parle toujours de journée mondiale, machin truc. Aussi des journées. Alors, attendez, nous sommes le samedi 21. Putain, mais c'est vrai en plus! Je pensais que tu te disais en mode c'est la journée mondiale des câlins parce que j'avais fait un gros câlin et tout. Mais c'est vrai? What the fuck? C'était la journée mondiale des câlins. Je n'ai câliné personne aujourd'hui. J'ai tellement le seum. Attends, je réfléchis. Est-ce que j'ai fait un câlin à quelqu'un? Non, j'ai pas fait de câlin aujourd'hui. Il fait chier. Oh, j'ai le seum. Oh, j'ai tellement le seum. Je comprends pas non plus à quoi ça sert. Je sais juste qu'il y a ça. Je sais pas, je pense que... Et un jour, il y a un type qui a dû se faire chier. Et il a dû... J'ai câliné un enfant de 3 ans, mais après, la police est... Oh, Kuma, non, pas ce genre de blague, s'il te plaît. Ah, je suis tombé sur un site, j'ai jamais vu autant de pubs sur un site. D'ailleurs, il prend pas en compte le site, là. Papa... Salut Visé, gros bisous à toi, merci d'être passé, de m'avoir aidé pour ce sémantique là un peu. J'ai été dans la voiture toute la journée, c'est pas possible. Tu as fait un câlin au siège. Super ta soirée. Tu dois avoir un peu plus que 3 ans. On va juste changer le titre.
Oui, du coup, ils m'ont relâché. Tu devais avoir un peu plus que 3 ans, ouais. Mais doucement avec ce genre de blagues, c'est vraiment pas ma cam perso. Genre, j'aime bien l'humour noir sur certains trucs, mais là-dessus. Pas trop, voilà quoi. J'aime pas les petits enfants. Hé, faut qu'on ait un débat. Les enfants, c'est surcoté de fou, je suis désolé. Genre, c'est trop chiant des enfants. C'est d'un pénible. Et c'est nul. Même moi, genre, je m'imagine moi enfant, je me dis que je suis chiant. Ouais, tellement d'accord. Après, je pense aussi que c'est un effet très générationnel, le fait de pas vouloir d'enfants ou de dire que les enfants c'est chiant, ce genre de choses. Je pense que c'est très 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 générationnel aussi là-dessus. Hein. En vrai, j'aime pas les gens. Non, mais ça, Grimso, on avait capté. Non, c'est même pas les gens, c'est que t'aimes rien, Grimso. Tu es aigri dans la vie, Grimso. Aigrisouilleux, aigribzouille. En plus, on avait déjà fait ce jeu de mots. Putain, aigribzouille. Ah, vous rendez compte, je refais les mêmes blagues. Rien ne m'arrête. Ça dépend, j'ai beaucoup de fois fait le rôle d'animateur et ça dépend de leur âge, leur éducation aussi. Il y en a, bon. Mais il y en a d'autres qui sont incroyables. Ouais, je suis d'accord avec toi parce que moi, il m'est arrivé aussi de donner des cours à des enfants, que ce soit des cours de leçons, des cours de sport, des cours d'EPS. Je différencie EPS et sport parce que EPS, c'est vraiment dans l'éducation nationale, les sports, c'est dans une activité pratique extrascolaire. J'ai déjà eu beaucoup de contacts avec des enfants. J'ai déjà eu mon frère. Quel plaisir. Mais je sais pas, je trouve qu'on en fait tout un monde quand même. Je te parle d'enfants maternels de primaire. Ouais, bah j'ai déjà eu moi aussi. Des petits hôtes là qui sont trop chou, des petits hôtes qui te regardent et qui font « Oui monsieur !» et qui font faire ce qu'ils te demandent. Oh là 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 là. Attendez, on va regarder un truc. Regardez les journées mondiales. Genre, tous les jours mondiales. On peut être contributeur. Mais c'est quoi leur connerie? Là, demain, c'est la journée franco-allemande, d'accord. J'ai pas un calendrier. Calendrier. Journée mondiale. Ok, donc on regarde un petit peu ce qu'il y a. Après, écologien, c'est pas la même chose quand j'ai eu affaire à ce type de personne. Bah, c'est pas du tout le même public. Hein. Après, c'est encore une fois, ça dépend aussi si t'es dans l'école, si t'es pas dans l'école, si c'est... T'as beaucoup de choses qui changent. Ouais. Parce que... Un collégien à l'école, il sera chiant. Si un collégien, tu le mets dans une activité sportive qui kiffe, et tu vas juste l'emmener ultra loin. Ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Alors, attendez qu'on regarde. Alors, il y a la journée mondiale du domaine public, de la paix et de la science-fiction, du braille. Stylé. Est-ce qu'il y a des explications à chaque fois pour célébrer la naissance de Louis Braille, le 4 janvier, qui a été déclaré journée mondiale du braille. Ok. Ok, ok. Orphelin de guerre, de la quenouille. Journée internationale du bain moustant, mes frérots. J'aime pas les gens, mais il y a des gens que j'aime bien. C'est ça. En vrai, vaut mieux faire ça, Grimso, t'as raison. Tu pars sur la base que t'aimes personne, et paf, derrière, tu te fais des connaissances. Moi, je pars sur le principe que j'aime tout le monde, et après, bam! As-tu vu la journée mondiale? Attends, est-ce qu'il y a la journée mondiale? CTRL-F. Oh, j'ai jamais trouvé. Non, je crois pas. Ah, il y a 650 jours répertoriés dedans. La journée mondiale Tintin. Non mais frérot... Non mais je veux savoir ce bain moussant là. Si vous faites une rapide recherche sur votre moteur de recherche favori, vous la retrouverez facilement, donc elle existe. Non, c'est pas ça le... Et as-tu vu... Oh putain, mais oui. Oh, bien joué. Pour ceux qui n'ont pas la rêve, je vais vous montrer la vidéo.
Elle est incroyable. C'est... Franchement, cette vidéo est juste incroyable. Voilà. Je vous enlève la musique. Vous devez écouter ça au maximum. Voilà. Et voilà. As-tu vu? As-tu vu les quenouilles? Waouh. As-tu vu les belles quenouilles? Hein? Les belles quenouilles dans le marécage. Spectaculaire. Renversant. As-tu vu? Et voilà. Et voilà. Hein? Quelle belle quenouille! Dans ces quenouilles, il y a des grenouilles, des crapauds, il y a le sexe, il y a... Il y a le sexe! Ah, oh, mais frérot, il y a des pépites comme ça! Là, 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 là. Ok. Les difficultés commencent quand vous souhaitez en découvrir l'origine. Nous n'avons pas réussi et nous n'avons donc pas de révélation. Bah, super. Donc, il y a une journée mondiale du bain moussant, mais on sait pas pourquoi. Hypersensibilité, sans pantalon, de la logique, Madame Luther King, Blue Monday. Blue Monday, c'est... j'ai entendu parler, mais je trouve ça un peu... Oh là là, Blue Monday, attention. Attention à la cuisine italienne. Ok. La nuit de la lecture. Ok, ok. Journée internationale du sport féminin, stylé. Journée mondiale de la protection des données. Mondiale des lépreux. Si vous êtes lépreux, attendez le 29 janvier avant de faire votre déclaration. Journée mondiale du caviardage, journée mondiale de la vie consacrée, des zones humides, de la marmotte. What the fuck? Jour de marmotte est un événement célébré en Amérique du Nord le jour de la chandeleur, soit le 2 février. Eh bien voilà, vous savez. Pourquoi? Peut-être qu'ils mettent des marmottes dans leur chandeleur, je sais pas. Ah ouais, tu connaissais? Journée mondiale du Nutella? Ça devrait peut-être s'appeler journée mondiale de la décroissance écologique? Je critique. Ça tire à balles réelles. Attendez le 29 janvier pour pouvoir assumer de faire tomber votre... Oh. Elle est pas mal celle-là. Je tombe sous le charme. Ou alors, vous avez déjà vu cette vidéo? Attendez, on va rester sur YouTube. I'm failing for you. TikTok. Ok. Mommy fall for you. Mes recherches sont bizarres. For you, TikTok. Parce qu'en gros... Ouais, je suis en train de tomber sur un truc bizarre, hein. Journée mondiale des zones humides. Super. La journée mondiale internationale sans paille. Y'a pas un truc en France où on n'a plus le droit à la paille ou un truc comme ça? La journée mondiale pour un internet plus sûr. Parce qu'internet ce n'est pas sûr. Mais par contre le 7 février, vous pouvez aller sur n'importe quel site, vous ne vous ferez pas hacker. Journée... Attends, tu déconnes? Mais non, elle n'existe pas la journée mondiale... Ah par... Oh, putain, mais oui, j'aurais dû m'en douter que c'était... Journée mondiale des mathématiques, du pyjama, mais frérot. Startup. Si vous voulez commencer votre startup avec 0% d'indemnité, commencez le 11 mars. J'ai deux films trop bien là, la journée mondiale de la marmotte. T'as des films? Tu connais des films sur des marmottes? Ça, j'avoue que je suis un peu sur le cul. Journée internationale d'action pour les rivières. Ok, j'ai une vidéo par rapport à ça. Je m'appelle Solange et je suis riviérophile depuis l'âge de 18 ans. La riviérophilie, qu'est-ce que c'est? C'est cette attirance, voire cette excitation parfois d'ordre sexuel pour les rivières qui sont l'objet du désir. J'ai toujours eu l'habitude lors de mes différentes excursions de me filmer en compagnie de mes amoureuses afin de disposer de sextape pour le long hiver à venir. Allons-y. C'était un début d'émotion presque naïve, enfantine, peu de profondeur, une toute petite cascade là où il faut. Une température tout droit descendue des montagnes qui vous prépare le corps. Un mobilier rocheux permettant de nombreuses postures. Elle m'a fait perdre le contrôle pendant quelques longues secondes délicieuses.
Elle était bonne. Elle m'a rendu... Sachez que Solange, cette personne que vous pouvez voir à l'écran en train de s'extasier au bord de Froid Rocher, eh bien, elle est payée pour faire ça, genre elle a les subventions de l'État ou ce genre de choses. On n'a pas tous les mêmes délires. Mais non, mais c'est pas... bah toi, bah alors Grisou, tu n'es pas riviérophile. Hashtag, je suis riviérophile, je ne suis pas riviérophile. Non mais, en fait, elle avait beaucoup polémique, Solange, pendant un moment. Parce que elle est payée pour faire des vidéos qui sont un peu border dans tout. À chaque fois qu'elle fait des vidéos, Solange, c'est un peu. Tu demandes ce qu'elle fait là. Il suffit de regarder dans ses vidéos, les vidéos populaires, donc la rivière au fil, dire je t'aime, rivière porn, pénis inclinez-vous, poil pubien. Je suis bobo et je vous emmerde. Pisser en liberté. Elle fait vraiment des... Moi, j'aime beaucoup comment c'est écrit. Mais en fait, j'ai jamais su. Si, mais j'assume pas, les rivières sont pas très propres par chez moi. Bon, attends, la Bretagne, c'est... C'est ultra propre dans le monde, non? En fait, j'ai jamais su si elle était... sérieuse ou second degré. Parce que... Il y a plein de sujets sur lesquels elle... En fait, elle parle tellement d'un ton calme comme ça... La rivière m'a fait perdre. Je suis quasiment sûr. C'est des 100 rivières fixes. Bien joué. Elle parle de vue, le problème avec le kebab, la âme tue, le suicide. Oula, j'étais sur le suicide. Oula. Je pense que c'est très border. Bilan cul, je suis une chienne. Mais attendez, on va regarder ça. En fait, je veux me dire sur cette vidéo si on peut juger si. Vraiment, c'est border ou pas? Si c'est second degré ou pas? C'est ça que je veux voir. Le portrait en chienne aurait pu être le livre d'une vie, ok, disons de la vie de Tweet. J'aurais pu l'écrire pendant encore 10 ans, je pense. Ça tourne. Et jolies chaussures. Tout ce que j'ai toujours fait était lié à ces éléments minimaux de mon quotidien. Mon corps, mon appartement, ma solitude. Et là, en fait, mon chien. C'était une manière de sortir un peu de moi tout en restant un peu à l'intérieur, c'est-à-dire me décentrer le plus simplement possible avec même pas un être humain, mais... cet animal qui est une sorte de projection idéale de ce que je voudrais être et ce que je ne peux pas être. Comment entrer... Mais c'est clairement second degré, putain. Tu commences la vidéo, le tease, je suis une chienne. Je pense qu'elle a fait ça. Oh, tout le monde croit qu'elle parle de je suis une chienne dans le sens très vulgaire et sexualisé. Et au final, elle détourne ça sur du roleplay. Je suis sûr que c'est ça. Entrer en contact avec les gens quand on n'est pas un chien, et c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'on ne peut pas faire ce que les chiens font qu'ils sont adorables, spontanément. C'est une utopie, bien sûr. Mais je lui envie la radicalité de son rapport au monde et la simplicité des rapports qu'elle entretient, du fait de son petit cerveau et de son animalité, qui font qu'on s'adapte à ce qu'elle propose sans arrêt. Ouais, bref... Ça se voit que c'est du second degré et malheureusement elle s'est pris mais je te jure, mais elle s'est pris énormément de vagues de haine à cause de ça parce que les gens ils s'étaient persuadés que c'était du full premier degré et en fait c'est ça le problème avec beaucoup de fiction. Je pense énormément à comment il s'appelle déjà, les parasites ils créent, si vous avez pas vu franchement je vous présente, mais les parasites ils font des vidéos, c'est insane franchement. Ils ont un talent d'écriture, il ne faut pas le leurrer. Il y a Roxane Brett qui a fait beaucoup de vidéos avec Norman sur ses courts-métrages. Elle apparaît dans beaucoup de petits courts-métrages sur le net. Je crois qu'elle a déjà travaillé avec... Non, j'ai pas envie de dire de bêtises, je ne veux rien dire. En tout cas, il y a Roxane Brett qui a un talent incroyable, je trouve. Bon. Non, bref, les parasites... C'est incroyable, ils font des courts-métrages. La série L'Effondrement, si vous avez le temps, allez la voir.
c'est d'une... C'est écrit d'une plume incroyable. Et vous voyez, ça dure en général 20 minutes. Là, vous voyez, 23 minutes. C'est qu'un seul plan séquence. C'est-à-dire que du début à la fin, il n'y a aucun moment où ça s'arrête. Il n'y a aucun moment où il y a une coupe, un plan. Pendant 23 minutes, tu as des acteurs qui jouent. Et ils sont des fois, pas deux, pas trois, mais en général... Ils sont plusieurs dizaines. Ils ont réussi à coordonner des gens sur 23 minutes. Des gens qui sont des fois juste des figurants. Et ils ont réussi à faire ça. Du coup, les deux films, c'est Un jour sans fin et Bambi. Quel rapport avec les marmottes ? Et Kuma, qu'est-ce que tu me racontes ? Quel rapport avec les marmottes ? Et aussi une chaîne où les gens, ils... C'est la fête de la marmotte. Hein ? Un jour sans fin, il y a les marmottes ? Ah, celui-là, putain. Je confondais Un jour sans fin. Je sais pas pourquoi aujourd'hui, c'est le jour de la marmotte. Mais non. Mais non. Mais non. Aujourd'hui, c'est quoi? 21 janvier. C'est le câlin. Les marmottes, c'est quand? Je sais plus où ce que c'est, marmotte. Marmotte, c'est le 2 février. Ah, putain. Mais putain, mais... J'ai l'impression que tes blagues sont trop bonnes. À chaque fois, c'est moi qui les capte pas. Mais Un jour sans fin, je pensais au film avec le dragon. Je sais plus comment ça s'appelle. La phrase qu'il entend dans la radio en se réveillant. Ah, ok, ok, ok. Attendez. Aujourd'hui, c'est le jour de la marmotte. Tu sais... La gueule. Bref, en tout cas, pour revenir sur Twix, sur le Yes Vous Aime, ils ont fait un format qui s'appelle Brute. Vous avez certainement vu passer parce que... le film avec... Non, mais je retrouverai le film avec le dragon. Il faut juste que je cherche. Ils ont fait un format qui s'appelle Brute, qui est une parodie de Brute. Je sais pas si vous connaissez. Et ils ont beaucoup passé sur... C'est fait avec Benjamin Sclass. Ils ont beaucoup passé avec... Comment ça s'appelle ? Avec Instagram, avec Facebook, ils sont sur toutes les plateformes, ils les partagent. Et ça devient viral parce que les gens, ils pensent que c'est vrai. Et c'est tellement bien écrit. Bambi, parce que les émos, pour savoir si le printemps approche, la marmotte qui se réveille est un bon signe. Du coup, ils espèrent qu'elle va sortir. Oh, mais tu es apprenti forestier ou quoi? Debout les campeurs et haut les cœurs, oubliez pas vos bottes parce que ça caille aujourd'hui. Ça caille tous les jours par ici. On est pas à Miami. On en est même loin et il faut s'attendre à quelques problèmes de circulation ce soir avec ce, comment déjà, oui, ce blizzard. Blizzard, vous avez dit blizzard, comme c'est étrange. Eh bien, voici les prévisions. La météo nationale prévoit un super blizzard. Ça va décoiffer. Oui, c'est... Blizzard, blizzard, comme c'est étrange. Ça va décoiffer, mais il y a une autre raison pour laquelle cette journée est si particulièrement passionnante. Et particulièrement froide. Oui, particulièrement froide, mais une question majeure est sur toutes les lèvres. Toutes les lèvres cherchées. Oui, les lèvres cherchées. Poilonné. Croyez-vous que Phil verra son ombre à son réveil? Le fil de Puxetoni? Oui, bûcheron, bûcheur, c'est le jour de la marmotte. Debout les morts, il y en... C'est le jour de la marmotte. Ah, c'est drôle. Après, il y a des blagues. Polonie, c'est bon, calme-toi. Il faut arrêter. Bref, pour venir là-dessus, qu'est-ce que je pourrais vous montrer comme vidéo populaire de Brute ? Le livreur de colis, c'est vrai qu'il a beaucoup fait parler. Oh, le être asexuel, il est très drôle. Alors, moi, je suis asexuel et aussi, je suis en couple depuis 2 ans. Alors, sachez que vraiment, il faut vraiment que vous voyez ça comme du second degré. Il faut que la mode voit son ombre, c'est vrai. Alors moi, je suis asexuel et aussi je suis en couple depuis 2 ans. Asexuel, c'est une orientation sexuelle qui fait que je n'ai pas de désir sexuel. Je ne suis pas animé par une quelconque envie. Alors que moi, au début, je pensais juste que c'était un mec bien. Juste cette phrase. Elle me fait éclater de rire, j'adore.
Être asexuel, ça permet d'avoir un autre regard sur le monde. Par exemple, je me retourne sur personne dans la rue, je vois aucun intérêt à Instagram, et je suis hyper attentif à la progression harmonique des chansons quand je regarde un clip de Dua Lipa. Les sexy Dua Lipa. Je peux pas dire ça. Ça change de mes anciennes relations, ça inverse un peu les rôles. Parfois, je deviens relou, comme un mec. En revanche, y a des choses qui changent pas, je reste frustrée comme une femme. Alors oui, il y a des jours où je me dis que s'il pouvait aller voir ailleurs, ça pourrait peut-être un peu le débloquer. Mais c'est vrai, quand tu vas dans un bar ou quand tu vas dans des soirées avec des copines, j'avoue que je me dis, j'espère qu'il va me tromper. En fait, j'y arrive pas. C'est plus fort que moi. C'est pas une orientation nouvelle, c'est juste qu'on a enfin mis un mot sur une réalité. Le fait de nommer les choses, ça permet de rendre visible un phénomène qui existe depuis longtemps. C'est comme les femmes battues avant, on appelait ça les femmes. Il y a des avantages, on dort beaucoup plus, je prends pas la pilule. Par contre, quand on doit se réconcilier, on est obligé de se parler. Mais ça dure hyper longtemps. Ouais. Après voilà, tout ça, le rapport au corps, c'est un voyage. La sexualité, tout le monde peut la vivre à un moment. Moi j'ai vécu une grande période d'asexualité puisque j'ai fait maths sup. Et c'est pas parce qu'il est asexuel qu'il est pas romantique. L'année dernière, pour la Saint-Valentin, il m'a offert un dîner aux chandelles avec du bon vin dans une chambre d'hôtel. Mais il s'est rien passé derrière. Moi, à Disneyland, ce que je préfère, c'est faire la queue. Le problème, c'est pas l'asexualité, mais c'est la pression que nous met la société à vouloir rentrer dans une norme. Puis je vois pas pourquoi on va absolument nous faire faire ce à quoi tout le monde renonce après 10 ans de mariage. J'adore. C'est... Franchement, leurs vidéos, elles sont hilarante. C'est très bien cherché, c'est très bien écrit, les blagues sont... Elles sont juste là. Elles sont trop bien. Être minimaliste, ça aussi est pas mal. Et si vous pouviez manger des plats variés en maîtrisant votre budget? Découvrez de nouvelles saveurs chaque... Bienvenue chez moi. Désolé, hein, c'est un peu le bordel. Être minimaliste, c'est une véritable philosophie du rien. C'est-à-dire que je vis de rien, je ne produis rien, je ne vends rien. Je suis consultant. J'ai le droit de posséder que 30 objets, donc j'en ai 13 de salle de bain, 11 de bureautique et 6 meufs. Mais ce soir, je plaque Anne, parce que j'ai très envie de m'acheter une veste. Ouais, peut-être que je m'achète un deuxième verre, moi. Le minimalisme s'applique aux objets comme aux relations sociales. Hein. Et pour ça, j'ai deux modèles, Marie Kondo et Xavier Dupont-Ligonnès. Il a tout compris, lui. Ça fait 2 ans que je suis minimaliste. Au début, c'était hyper dur de résister à la surconsommation. Mais maintenant, c'est vachement simple. Parce qu'avec la crise, bah, j'ai plus de thunes. Elle a rien compris, elle. Faudrait peut-être que je m'achète une passoire. Allez, 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 là, vas-y. Mais Verratti, il est tout seul au milieu, là. Vas-y, oui, yes. Tiens! Ah, et je suis content parce que les anciens voisins, ils étaient plutôt ciné-asiatiques. En ce moment, ouais, j'ai pas trop de travail parce que les entreprises ont pas mal minimalisé leurs consultations. Du coup, je passe mon temps libre à méditer. Ou à me faire chier, ce qui est sensiblement la même chose. Hop. Ouais, peut-être que je m'achète un deuxième slip. Après, en termes d'écologie, mon mode de vie va clairement dans le sens de ce qu'il faut faire pour tenir nos engagements sur le climat. Hein. Donc, qualifier de minimal ce qui demain risque d'être la norme pour sauver la planète, en vrai, c'est un peu réducteur. Non, franchement, allez voir si ça vous plaît. Franchement, si les deux épisodes vous ont hypé, mais allez-y. C'est vraiment une bande de potes initialement. Bertrand et Pauline se sont rencontrés au cours Florent. Mustapha, ils l'ont rencontré lorsqu'il travaillait sur Canal Plus avec Bertrand. Joanne, je sais plus comment il a rencontré Bertrand, mais en fait ils se sont rencontrés comme ça. Lui... ils se sont tous rencontrés, c'est des potes de potes comme ça. Ils ont fait une team ensemble. En ce moment, allez voir, franchement les Parasites, allez voir aussi, c'est trop bien. Ils sont aussi avec le studio Bagel. Ils font un petit. Des petites vidéos ensemble, donc c'est moitié, c'est écrit par Bertrand Huskla et t'as Pauline Clément qui joue dedans, c'est trop cool. Et que dire de plus, Studio Bagel, je sais pas si vous avez vu les frères Pétou, vous avez regardé les frères Pétou ou pas? Je vais voir si je peux en discuter avec vous de ça. Qu'est-ce que vous en avez pensé?
pas vu. Bah, moi j'ai aimé l'humour de... Comment il s'appelle ? J'ai la ref, mais j'ai jamais regardé. Bah, ça vient toujours de sortir, mais... J'aime beaucoup l'humour de... Moi, de toute façon, je suis un grand friand de Monsieur Poulpe. Genre, Monsieur Poulpe, j'adore. D'ailleurs, j'ai regardé l'autre jour un interview. Est-ce que vous avez déjà vu la vidéo où Monsieur Poulpe, il a un bras mécanique ? Bras mécanique. Là. Vous créez votre entreprise en ligne ? Rendez-vous sur Wix.com et lancez votre site avec un processus de création. On reçoit maintenant Pierre-Patrick qui a perdu son bras suite à un accident de travail. Pierre-Patrick, bonjour. Bonjour Michel. Alors Pierre-Patrick, c'est une première en France. On vous a installé une prothèse de bras bionique. Expliquez-nous. Écoutez, c'est très simple. En fait, il suffit d'enregistrer les fonctions désirées dans la base de données. Et bah, par exemple, je vais vous montrer la fonction que j'ai enregistrée ce matin. C'est la 2. Oui, attendez, parce que je mets... Attendez, parce qu'il y a mon aide-soignant qui est pas... Est-ce que vous pouvez m'aider? Oui, voilà. Je vais essayer. Visiblement, ça ne marche pas. Attendez. Pierre-Patrick, vous n'avez pas perdu la main? Voilà, c'est ultra con. Et j'ai appris lors d'une interview de sa part, c'est que cette vidéo a été reprise et reprise et reprise, mais dans le sens premier degré, pareil aux États-Unis et tout. Et ça me fait rire. En fait, je pense que c'est aussi l'un des problèmes actuellement de l'ère d'Internet, c'est que tout est pris au premier degré tout le temps. Et c'est trop chiant. C'est tellement pénible, c'est tellement dommage. En fait, Internet, c'est tellement le truc où... alors ça, c'est l'interprétation qu'on s'est fait par la suite, bien sûr. Mais c'est tellement le truc qu'on kiffe et qui fait qu'on peut, entre guillemets, proposer tout ce que l'on veut. Et premier degré, second degré, tout existe dessus. Et en fait, les gens, ils viennent avec leur sensibilité, leur connaissance et tout, et ils vont donner un jugement sur un truc qu'ils connaissent pas. En fait, je trouve qu'Internet, quand tu regardes un truc, il faut connaître un univers. Et quand t'as pas l'univers, bah c'est bien dommage. Voilà. C'était la réflexion philosophique. Internet est cool et pas cool. Avec la musique derrière, la musique de réflexion est incroyable. Je m'en suis pas rendu compte du coup. Mais je sais pas. En fait, c'est ça le problème, c'est que pour le moment, il y a encore trop de boomers. C'est ça le problème. Tout à l'heure, on parlait des enfants et tout. Mais le problème primordial, c'est surtout les boomers. Il y a trop de boomers actuellement encore. S'il n'y avait pas autant de boomers, toutes les vidéos de second degré comme ça seraient jamais prises au premier degré. Moi, les formats bruts que je vous ai montrés tout à l'heure. En général, moi, il y avait un kiff que j'avais, c'était d'aller sur leur compte Facebook et de m'amuser à lire les messages de les commentaires qu'il y avait sur Facebook. Et les gens, ils sont à fond en mode waouh, il a totalement raison, parce que des fois, ça parle de trucs assez politiques, etc. Oh là là, il a totalement raison. Ou alors, des fois, ils sont très indignés. Ils sont en mode, mais c'est quoi ces bêtises? C'est quoi cette connerie? On peut pas laisser dire, les gens dire ce genre de choses. Vous vous rendez compte où va notre jeunesse? Bref, les gens, on leur met une porte ouverte. Ils foncent dedans. Ok, je pars, je suis un boomer. Non, mais tu vois, la vidéo, on l'a regardée. T'as capté que c'était de la blague. Il y a des gens, ils regardent. Ils comprennent pas directement que c'est une blague. Et c'est ça où c'est dommage. Parce qu'en union, c'était mieux avant. Vraie question, en quelle année, enfin, en quelle époque vous auriez kiffé naître? Enfin, du moins, une période de la vie. Papa. Je vois, c'est pas des tu préfères en ligne. Grimsu va me dire, j'aurais voulu naître l'an médiéval.
vrai. Moi, quand j'étais petit déjà, il y avait un délire où, lorsque certains Nordic Vikings se sont mis en tête d'atteindre les terres d'Amérique, le Vinland. C'est un vrai truc ou c'est un truc que t'inventes là? Vinland. Vinland est le nom donné par le Viking islandais Leif Erikson au territoire qu'il explora le premier autour de l'an 1000 et qui marque le point d'extrême de l'expansion viking en Amérique et qui correspond globalement aux terres entourant le golfe de Saint-Laurent. Putain. Ah mais attendez, il n'y a pas une série sur Netflix sur Vinland? Je crois que je l'ai vu passer. Je n'ai pas entendu la question à la pub. Oh, let's go, tu m'as gagné quelques centimes. En quelle époque, si tu pouvais choisir de te réincarner, à quelle époque tu le ferais? Moi, j'ai toujours... Déjà, quand j'étais petit, il y avait un délire où j'idéalisais énormément tout ce qui est l'époque hippie, tout ce qui est époque... comment dire? En fait, les 70s, j'étais en mode, mais ces gens-là, ils vivent toute la journée dehors comme ils veulent, mais c'est trop kiffant. Genre, pourquoi personne ne fait comme eux? Moi, j'étais en mode, mais je comprends pas pourquoi les gens, ils aiment pas les hippies. Bon, après, j'ai... Dans le turfu pour voir comment c'est. Ah ouais? Pendant le Vietnam. Non mais Kuma. J'aurais bien voulu naître en 1898. Comme ça, j'aurais eu 16 ans pour partir à la guerre en 14. J'aurais dit à ma femme que je la retrouverais en hiver, que la guerre ne durerait pas un temps. Et pourtant, me voilà à écrire des messages, des lettres, qui seront censurées par la police, l'État, le gouvernement qui ne veut pas assumer les méfaits que l'on me donne sur le front. Putain, mais je devrais partir en impro. Beaucoup de choses, j'adore l'impro, voilà. En vrai, moi, le futur, c'est pas un truc qui me hype tant que ça. Je me dis que le futur, dans tous les cas, bah... On va le connaître. C'est vrai, ils sont apparus au moment où il y avait la guerre au Vietnam pour dire stop à la guerre. Ah, les Vikings. Bah, les Vikings, ils sont venus. Ils avaient des pectoraux tellement durs. En fait, on leur a tiré dessus, les balles, elles rebondissaient dessus. Et après, ils sont partis. Le futur, c'est caca. Je dis pas que le futur, c'est caca. Si. Si. Le futur... Enfin, le futur va être du caca. Je pense que je fais partie des gens qui sont assez... assez pessimistes également sur le futur. Où je me dis, de toute façon... de toute façon, voilà, on... On est un peu dans la merde. Oui, les hippies. Oui, les hippies, ils étaient tous là en mode « Oui, faites pas la guerre, faites l'amour. Baisez entre vous au lieu de baiser les autres. Arrêtez de violer les Vietnamiennes, c'est bon. » Voilà, quoi. Mais les hippies, je sais pas. En vrai, il y avait ce délire du... En vrai, moi, déjà, ce délire du... C'est des gens qui, pour moi, s'habillaient déjà trop bien. Bon, maintenant, j'ai réajusté ce truc. Ou même, je kiffe toujours le style hippie, mais je sais pas si je l'assumerai. Mais j'aimais beaucoup le fait de pouvoir déjà... En fait, je crois que c'est à cause de Scooby-Doo. Voilà, j'ai tout capté. Je viens de réaliser ma vie. En fait, vous savez ce qu'habillait Scooby-Doo? Ils ont un van. Et ce van-là, c'est un peu les hippies qui avaient des vans. Et moi, derrière... Mais en fait, je crois que j'étais trop fan de Sammy. Et je pense que Sammy, c'était un peu la représentation des hippies à l'époque. J'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup Scooby-Doo. En tout cas, ouais, pour revenir sur le futur, ça va être compliqué. Le van était trop stylé. Mais oui, avec la fleur et tout. Mais attendez. Alors, je sais plus où est-ce qu'il est, mais j'ai un jeu de cette famille Scooby-Doo. Attendez. Regardez, en fait j'avais donc les cartes Scooby-Doo. Alors elles sont très très abîmées, vous les verrez pas tant que ça parce que le focus il est fait sur ma tête. Là vous les voyez bien normalement, Scooby-Doo. Et en fait, il y avait une famille, c'était les Mystery Machine. C'est vraiment des trucs à la con. Et je regarde si je peux pas faire ça.
Regardez. Voilà. Regardez. C'est trop stylé. Je fais des ouvertures là. Moi, je les trouve trop belles les cartes. Elles sont floues les cartes. Elles sont pas floues là. Là, elles sont pas floues. Bon. Regarde, ma tête est floue. Les cartes ne le sont pas là. Elles sont belles les cartes là. Mystery Machine et la dernière. Vue de dessus. Regardez-moi ce plan. The front. The on. On the van. Regardez. Pam, pam, pam. Mystère, mystère. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait... Regardez, regardez. Normalement, il n'y a que des Mystery Machines. On est d'accord, ok? Et regardez, regardez. Vous êtes prêts? C'était Daphné! Tour de magie, les gars! Allez, je remets le focus. Voilà. Et je suis mesmer. Je veux pas Harry Potter. Mais vous êtes un sorcier, oui. Et 10 points pour Gryffondor. Cette année, Serpentard est en avant et devant les listes. Et prête à gagner la coupe. Angle mort. Cependant. Attendez. Il n'y a pas sur YouTube ce truc de Dumbledore qui fait cependant. Dumbledore, cependant. Il y a un YouTube poop. Je sais pas ce qu'il va donner sur YouTube poop, mais on va voir. JDG le dit. C'est vrai que JDG le dit. 60 points. J'accorde à la maison Gryffondor 60 points. Oui, oui, bravo Gryffondor, bravo Gryffondor. Cependant, Harry Potter, cependant. Les proutes, ça me fait rire. Oh, attendez. Faudrait regarder des top répliques de JDG. Caméra! La totalité du niveau se fait en scrolling, mais c'est pas le gentil scrolling à papa qui bouge de gauche à droite, hein. Non, c'est le scrolling de gros bâtards, géré par Jean-Louis le Forain, qui te fait des grosses feintes de ses morts. Genre, tu avances, tu crois que c'est par là, et... C'est parti, attention, on repart en arrière! Allez les filles et les garçons, c'est parti sur la gauche! Et on reste pas coincé! Non, je vous ai fait peur, hein, c'est de l'autre côté! À gauche, à droite, on vous a fait peur! Allez, on est parti, ambiance! Et ça fait de l'autre côté! Allez! Tchika! On est tombé dans le piège! Allez, c'est parti! Je fais n'importe quoi! Ah, oh, putain! Et voilà! Mais bon, heureusement, les développeurs du jeu ont trouvé la solution pour pallier aux graphismes passables. Vous savez, les graphismes, ils sont pas moches, hein, si on peut pas les voir. Ce qui nous donne des niveaux entiers du jeu comme ça. Voilà, effectivement, c'est vrai. C'est pas mal. Oh, celui qui me fait... Regarde, qui me fait pourcourir, c'est... Que vous avez déjà vu un fantôme? Vous pouvez m'affirmer que ça clignote pas? Ah, c'est qu'un fruit. Qu'est-ce qu'on risque? David Goudenov.
Attendez, mais c'est de la merde ce jeu. Vous pouvez pas sortir ça comme ça. Bon, c'est pas si mal. David Goodenough. Vous êtes sérieux là ou vous foutez de ma gueule? Oh, ça va, on joue toujours en beau, non? David Goodenough. J'avais fait un. Quand j'étais à la fac, j'ai eu la possibilité de faire une autre matière dans une autre licence pour qu'on puisse un petit peu évaluer nos compétences au cas où si on veut faire autre chose qu'on puisse tester s'il faut, s'il y a besoin. Et j'ai la possibilité de créer donc un jeu vidéo en 2D. Et c'était kiffant de fou. Et en fait, on voulait faire un jeu de type rageant avec des pics qui sont cachés, qui apparaissent au dernier moment, plein des trucs à la con comme ça. Et on avait mis cette musique de David Goodenough à l'époque. Voilà, pour la petite... Je sais pas si je l'ai encore, le jeu. Je vois si je l'ai avec moi. Mais je pense que je l'avais désinstallé ou je sais plus quoi, mais j'en avais plus besoin. Ce serait un honneur de pouvoir vous le montrer. J'avais trop kiffé. J'ai pas l'impression de le retrouver. Documents, STAPS, semestre 5, non, je l'aurais pas. Moji Noël, projet, stream, non, je l'ai pas. Mais franchement, pour un jeu rageant, la musique de Goodenough. David Goodenough. Tellement mieux, franchement. Elle fonctionnait bien plus dans le style du jeu. Après, c'est mon avis et je reste persuadé que c'était le mieux. Il est caché par le chat. En vrai, j'aurais plutôt mettre le chat à gauche. Bam. Là, comme ça, vous me voyez, parce que je suis souvent plus à droite. Voilà. J'accepte le mot déconne. Oh, lol. Yeah. Oui. Avez-vous appris à argumenter, utiliser du vrai vocabulaire que le nié? Nié. Est-ce qu'on se regarderait pas un autre striptease? J'ai cru que tu faisais un mélange avec... Kuma est nié. Quoi, Kuma, oui, tu veux pas un autre striptease? Là, j'enlève la pub. Je vous montre ça. Hop, attendez, je vous montre. Dis si vous entendez bien. Normalement, ça devrait le faire. Hein. C'est quoi ce son-là? Oh, le son est dégueulasse. On va prendre un autre. La piste aux étoiles, histoire d'eau, le petit tailleur jaune, rock'n'roll, ma petite chérie. On va prendre ma petite chérie. Non, tu vas t'appeler Matissouille Cougarouille. Cougarouille. Oh, regardez comment c'est proche. Vas-y, dossier comme d'habitude. À droite, là. Simon, il y a un putain d'autocollant de policier, mais...
Et juste à côté, il y a des plantes vertes et elle est en train de mourir. Oh là 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 là. Ma petite chérie. Ça va, Roselyne ? Oui ? Hein ? Alors, ce que nous dit la petite, je suis vous voir pour discuter avec vous des problèmes que j'ai eus avec mon grand-père. Je n'en avais jamais parlé à personne avant de faire une rédaction en classe et j'ai rendu au professeur de français. Cela me préoccupait depuis un certain moment et j'ai raconté une histoire sur une tante qui avait été victime de mon pépé. En fait, cette histoire, c'est la mienne, mais je ne voulais pas mettre dans la rédaction que c'était moi qui avais eu des problèmes avec mon pépé. La professeure en a parlé au principal adjoint, ils ont décidé de m'envoyer voir le médecin scolaire, avec qui j'ai discuté. Je lui ai raconté presque tout. C'est Madame Robineau. C'est comme cela que tout a commencé. Yann, oui. On va peut-être demander à Roselyne de nous dire la suite. Oui, hein, si tu veux. Alors, Roselyne, tu te rappelles de tout ce que tu m'as raconté la dernière fois, hein ? Est-ce que tu peux me le répéter, et devant ton grand-père aujourd'hui ? J'ai peur que ce soit ultra cringe par contre là. Là c'est un truc vraiment pas drôle. Écoute Bibiche, on va voir l'écoute Bibiche. En revenant de Lourdes par un chemin tordu, j'ai rencontré Nénette qui dormait le cul nu. J'ai pris mon arbalète, je lui visite dans le cul. Nénette se réveilla, sans savoir le diable au cul. Ce n'était pas le diable, c'était ma queue poilue. Qui charge et qui décharge à coups de rabattu. T'es pas vexé, Denise ? Ah, si ça, c'est pas du champaillard, vous allez m'expliquer ce que c'est, là. Après qu'on a regardé au second degré, là, c'est du premier degré. Ouais, là, c'était du premier degré. Là, c'est des vrais reportages dans des vraies situations. Genre, c'est pas des conneries. C'est pour ça que je préfère ne pas regarder la vidéo, c'est border. Un français bien de chez nous, exactement, c'est ce qu'on avait vu l'autre jour, c'est du pur souche. Oh non, pas bon, du tout, voilà. On arrive au tableau. Mais c'était déjà vu, les Julie. Vous en avez sur la gauche et sur la droite. D'ailleurs, il y a une petite, un petit repère car il y a là, elle est en train de se rhabiller, la taupe là, t'as vu ? T'as vu ? Hein ? Mais c'est pas du pipeau, hein. Et t'as vu où on te fait passer, Denise ? Ma fille, elle habite à Chatou et c'est le chemin que je prends pour aller chez elle. Bah oui, mais il y en a d'autres, hein, ouais. Y a pas que par là. Hein. Ah, elle te défend pas si tu veux tremper ton panier, t'es libre, hein. Ouais. Après tout. Mais moi aussi. Ah 19, là. Bête en dessous. Je sais pas s'il parle d'une femme ou d'un cheval. Tremper ton panier. Oh, mais c'est quoi ces expressions? Mais ils viennent d'un autre monde, je suis désolé. Tu vas bien, tu peux bien tremper ton panier, on va rien dire. Je suis une belle bête, elle. Soumillon, là, le 4. Tu le vois? Oh, le beau gris. Regarde, il est en train de se soulager, là, regarde. Il est en train de se soulager. C'est trop tempiscu, normalement. Non, mais ça dépend des régions. Pas du pipeau. Le 5, il est bien, là, le 5. Le 12, ouais, ça y est, ça part là-bas. Allez, c'est bon. Alors allez, maintenant, on va à la direction, on fait un petit jeu avec le 12. Il faut miser sur le 12. Vous entendez bien ? Le 12, 6 fois gagnant, s'il vous plaît. Ça revient, ça revient. Il est cuit, t'as le 10, c'est le 4. C'est le 4 qui va gagner. Allez, marche-lui, vas-y. Le 12, la 12, la 12, la 12, la 12, je l'ai dit, le 12. Ils vivent leur vie. Et c'est, en vrai, c'est même mignon parce qu'ils sont à fond, ils sont ultra, ultra à fond dans le truc. C'est là la poste. On a gagné. Ah, Bibiche, elle est contente, hein. Elle va tremper le biscuit, Bibiche. C'est du gagnant. Voilà, tenté. C'est dans la poche. Regarde. 12, 15, 17. 10. Il va faire de l'argent, je comprends. T'auras 10%. T'avais dit tout le temps. Ah, Denise, allez, viens, vois-moi. Viens, on va. Viens, on va aller voir là-bas. On va aller voir l'oseille qu'on va ramasser. Viens, ma grande. On a gagné. Oh, mais les pauvres barman, ils voient des pochetrons tous les jours qui sont en train de dire j'ai gagné ou qui j'ai perdu, il faut qu'ils les gèrent. Oh, les pauvres. Merci. 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 Merci.
a pas les billets, hein, surtout. Voilà. 50-50. 50-50. Il est supportable. Oh, ça va. Ouais, vous êtes tolérante. Hein. Maintenant, ça va. Maintenant. Vous en faites des sacrifices. Eh, on rigole, mais je sais pas si on a la date de sortie de ce truc. Ils sont sortis en 2002. C'est sorti en 2002. C'est moi qui ai non, c'est moi. C'est sorti en 2002. Si ça se trouve, ils sont morts. Voilà, j'avais juste envie de vous dire ça. Maintenant, tu m'as adressé, hein. Maintenant, ça va. Ouais, m'adresser. Quand il était jeune, c'était autre chose. Hein. Ah bon ? Oh là là. Est-ce que c'est vous qui tenez le budget ? Il y a une époque, c'était Christian, après, ça a été moi. Puis maintenant, c'est tous les deux. Gère bien le budget. Maintenant, oui. Parce qu'il y a eu un double mois, hein, c'était un double mois. Il me l'avait carrément bouffé. Hein. Bon, c'est des curly, ça ? Ils sont énormes. J'ai jamais vu des curly aussi grands. C'était au début du mariage, j'ai rien dit, mais enfin, j'ai pleuré. Ouais, du jus d'orange. Ça fait mal au cœur. Hein. Maintenant, il est raisonnable là-dessus. Hein. Raisonnable quand même. Hein. Tu y as tout bouffé l'autre jour, toujours. Hein. Non, il y a 30 ans, il y a 35 ans, il y a bientôt 40 ans, ma biche. Hein. Ouais, mais enfin, je m'en suis jamais rendu quand même. Hein. Non. Tu pleurais. Hein. Non, non, non. J'ai dit, je ne recommencerai plus jamais. T'as vu bah, du coup, si. Des alliances, j'ai dit, bibiche. C'est lui. Vous voyez son pull, c'est du Solognac. Je m'y connais. C'est un ancien modèle avec la couture à ce niveau-là et tout. C'est un très ancien modèle. Même la moustache. Vous avez vu, c'est vraiment se raser partout sauf la moustache. C'est à blanc. Tous les matins, c'est rasé. Même elle se rase la moustache, tu vois. Et lui, il se la rase pas la moustache. Ça, si tu me dis qu'il est pas chasseur derrière, si on le voit pas en train de chasser dans 2 minutes, je comprends pas. Je vous le dis. On va à Saint-Cloud. Si je gagne pas, t'as un anneau de rideau. Véridique, explique, Bibiche, explique. On était à Saint-Cloud, tu étais enceinte de notre fille. Puis tu m'as dit, si je gagne, t'auras une alliance. Une belle alliance. Si je perds, t'auras un anneau de rideau. Et j'ai gagné la première. Et je suis pas en j'ai gagné la deuxième. Et j'ai gagné la troisième. Et j'ai gagné la quatrième. À la quatrième, je t'ai dit, Bibiche, on s'enfuit, on s'en va. Et on a été place Vendôme. Et t'as eu une belle alliance. Ouais. Et c'est aussi pour ça qu'il ne s'habille qu'en vêtements de chasse maintenant. Tous les deux, on avait une belle alliance. Une belle étoile, il y avait plein d'étoiles à l'époque, elle était très jolie. Et une belle alliance, tous les deux. Tous les deux. Moi, c'est mon alliance. C'est ce qu'on s'est aimé des fois. Si jamais tu partais pour toujours, c'est sûr que j'en mourrais d'amour. Mon amour. C'est pas beau, ça. C'est pas beau. Tu peux applaudir, ça. Ah, ma biche. Ah. Oui. C'est pas une femme merveilleuse que j'ai, moi. Formidable. J'en parle. Un couple formidable. T'as vu ? Eh, je te l'ai raconté, ça. Femme, c'est une comédienne. Hey. Attention, Jean-Paul, je la prête pas, ma femme. Hein. J'ai aucune intention. T'as jamais dit... Toute façon, mais pas personne t'a dit qu'on allait te prendre, non ? Écoutez la réaction de la veuve derrière, réécoutez. Allez, à moi, j'ai aucune intention. T'as jamais dit... Toute façon, mais pas personne t'a dit qu'on allait te prendre, non ? Non, mais personne t'a dit qu'on allait te le prendre, non ? Allez, à moi, j'ai aucune intention. T'as jamais dit... Toute façon, mais pas personne t'a dit qu'on allait te prendre, non ? On dirait tellement ce pote, genre, tu sais, il parle pas trop, et quand il parle, tu sais, il parle un peu plus fort que tout le monde pour qu'on l'entende et qu'il se fasse remarquer. Là, c'est exactement ça. C'est, le calme était, le ton était assez calme et tout, et elle a le gueule d'un coup. Mais personne t'a dit qu'on allait te le prendre, non. Mais personne t'a dit qu'on allait te le prendre, non. Non, j'arrive même pas à le faire, c'est incroyable. Regarde-moi cette tête. Par contre, il y a juste un truc que j'ai envie de remarquer, genre, le caméraman. Comment est-ce que je peux imaginer ? Regardez. Attendez. Le caméraman, vraiment, il y a la personne ici. Genre, ça, c'est la première personne. Ça. Merde, ici. Ça, c'est la deuxième personne. Il est vraiment. Ça, c'est le stylo, c'est le caméraman. Non, vous ne verrez pas. Ça, c'est le caméraman. Oui, j'ai une colle sur un scotch. Et alors, le caméraman, il fait. Et toi, ça va ? Et toi ? Et toi ? Le caméraman, il s'y branche des gens, c'est incroyable. Je croyais que c'était un gars qui disait cette fois. Bah, je pense pas. Attends, on va regarder. Parce que là, lui, il parle. Tu vois ? Là, les deux, ils parlent pas et c'est...
Attends, on revient. T'as vu comment il parle, lui? Attention, Jean-Paul, je la prête pour ma femme. Allez, à moi. J'ai aucune intention. T'as jamais dit... Mais pas personne t'a dit qu'on allait te prendre, non? Avec les pendules à l'heure, je me prête si j'ai envie. 4244,80. Oh, ils sont beaux. Ils sont si beaux, les billets. 2000. Non. Non mais par contre cette phrase, je veux la réécouter encore une fois. Personne t'a dit qu'on allait te prendre avec les pendules à l'heure. Excusez-moi. Mon cul de bornée de nouilles. Ah oui, mais il joue aussi quand tu joues pas. Ouais, bah dis donc, c'est vrai que les gens ils voient pas la caméra, ils sont en train de faire leur blague, ils sont en train de vivre leur vie, la caméra elle n'existe plus. Il a mis une guillée au-dessus de lui, là, il s'est mis en camouflage, ça fait vas-y, je suis dans un bar, il s'est déguisé en poubelle, frère. 300 balles tous les jours chacun. Du bordel de nouilles. Bon, on boit un café. Ça ne t'a dit qu'on est te le prendre, non? Oh! Ah, faut qu'on parle de ça! Faut qu'on parle de ça! J'allais chez des amis, quand j'étais assez petit, et en fait, ce truc-là, c'est la chose la plus horrible qui existe. Et en fait, on m'avait demandé d'aller chercher je sais plus quoi dans le garage et tout, et ils avaient caché ça à la sortie du garage, et en fait, quand je suis rentré, en fait, ils détectaient des mouvements, je sais plus comment ça fonctionne, si c'est des mouvements ou du bruit, et je suis arrivé, le truc, il a bougé, j'ai eu peur, je me suis chié dessus, d'accord? Mon père en a trouvé un des choses. Mais c'est horrible! J'ai jamais compris pourquoi ils ont fait ça. Ils se sont dit, tiens, c'est un putain d'idée. Venez, on met un poisson qui bouge. Non! Quoi? On a vraiment entendu. Attendez. La vieille, elle dit, regarde comment elle remue la queue, et l'autre, il répond, comme la mienne, on est d'accord? Attendez, on remet. Mais c'est des bofs! Ils s'en foutent de dire ça à la caméra, c'est ça qui me plaît. Regardez, la vieille à droite, elle a changé de vêtements depuis tout à l'heure, le mec à gauche, il a toujours le même pull, hein. C'est toujours le même. Je sais pas comment tu remues la queue, mais tu la remues sûrement pas comme ça. Mais non, mais c'est une blague. Genre, je veux pas y croire, attendez. Je sais pas comment tu remues la queue, mais tu la remues sûrement pas comme ça. Mais c'est véridique, genre, c'est même pas... même pas besoin de faire de blagues, le truc est drôle en lui-même. Mais c'est pas ça, je lui ai ramassé des fleurs. Attendez, mais... attendez, ça veut dire que le mec, il lui a acheté ça en cadeau, et elle a dit, moi je veux des fleurs. Non mais sans déconner, je sais pas, c'est ton anniversaire, t'es avec ton mari et tout, on t'offre un cadeau pour ton anniversaire, au Noël, j'en sais rien, on t'offre ça. Aucun tact et aucun doux pour trouver des cadeaux. Je pense qu'il a été un peu comme ton père, il l'a trouvé à la déchetterie, il a fait « Oh, la belle trouvaille !» Il l'a pris, il l'a offert en cadeau, il l'a emballé. Et en plus, ce poisson, il fait de la musique dégueulasse. Tu mets le 16 en tête. Bon, dans un troisième jeu, je l'ai mis en haut. Le 13, il faut le mettre, 15 et 13, il faut le mettre. Mais fais que le crier, il faudrait arrêter, madame. Qui c'est que tu joues, là, le cheval ou le jockey? Jockey, là, Verbeck. 13. Verbeck. Eh ben oui. C'est un vrai navet en ce moment, il nous a rien fait de bon depuis longtemps. Oui, on l'a jamais il vu va dans nous... un caté. Oui, mais là, il va être là. Et t'es pas amoureux de Verbeck?
Non. Non, mais il va nous faire le coup de là. Il va de toute façon, faire... Il faut qu'on lui trouve un homme. On peut pas lâcher comme ça, parce que là, maintenant, ça va plus. Hey, je t'emmène aux courses, hein, puis je vais te présenter vers avec moi. Par contre, en vrai de vrai, leur relation est trop bien. On a beau dire que c'est des bofs qui savent pas se faire des cadeaux, qu'ils ont aucun tact, bref, il y a beaucoup de choses à critiquer. Mais c'est juste une bande de potes qui s'amusent en fait. En réalité, c'est juste ça et c'est juste trop bien. Franchement, on peut pas leur critiquer. Là, je me moque d'eux parce que voilà, leurs personnages sont incroyables, mais c'est juste trois bons potes qui s'amusent entre eux, c'est trop bien. Le 13 et le 15, il va être dingue. Il va être dingue. Hein? Ben ça y est, mais il va ouais. Le 13 et 15, ça lui donne pas le quintet. On va voir si c'est pas vrai. Moi, personnellement, je joue pas Verbeek. Oui, mais Verbeek, bon. Faut pas le mettre gagnant. Verbeek, il faut le mettre... Tu le mets dans notre jeu, mais il faut les mettre quand même ensemble. 4-5e. Bah, on verra bien tantôt, hein, si t'as raison ou si t'as tort. On verra si c'est toi ou si c'est moi qui a raison. C'est lui qui est là-dessus, hein, garde-le. C'est lui qui est là-dessus, hein. De toute façon, je peux te dire une chose, Verbeek, il va faire tout ce qu'il va pouvoir pour gagner. Et tu sais, on gagne un beau petit paquet, on va aller manger à la Tour Eiffel. Mon rêve, c'est d'aller manger à la Tour Eiffel. C'est bien, hein. Au deuxième étage. Il a toujours le même pull, je rappelle. Il a toujours le même pull. Pas besoin de critiquer, le dieu de la beaufrie le fera pour moi, mais franchement... Il y a tellement de choses qui vont pas dans la déco, là. Mais c'est bien. Bon, on ira ensemble. J'ai déjà été, moi, avec les vieux. C'est parti, les enfants, là. Ou les grands frères. Oh non, Adobe Stock. Bon, de très belles images. L'image est très belle, soit dit en passant. On passe les annonces. Ça veut dire que c'est la deuxième fois qu'il mange des moules cette semaine. Ok. Un coup de pif. Bah, naturellement. De l'ASMR. Le retour. Paul, il me paraît qu'on pourrait aller manger à la Tour Eiffel avec sa femme et sa fille. Hein? Moi, j'ai dit quand il voulait. Alors, je sais pas, il faut attendre encore quelques jours, il va me donner la réponse. Mais... Avec nos 36 ans de mariage, on peut peut-être s'offrir ça. Aujourd'hui, piotage de moules. Oh, regardez-moi ce set de table là pour passer à la table. C'est des raisins, c'est un dessin de raisins. J'avais les mêmes plateaux quand j'étais au collège. Quintet hier, je te donne 10 sacs. Jeudi, je mets les 10 sacs sur le 3. Attendez. Cette maison. Quand je vais en Bretagne, je vais chez quelqu'un et c'est la même entrée, la même porte, le même meuble, la même disposition de la plaque ici. Quand tu vas encore un peu plus à gauche, normalement, t'as la plaque à gaz. Là, t'as le lavabo. Là, derrière elle, il y a un meuble. T'as le même... Putain. Attends, j'ai peur que ce soit chez des gens que je connais. Je le mets pas. Le 3, il gagne. Je perds 1600 francs. C'est tout. De toute façon, je vais m'inscrire au boule, là. Je vais aller jouer au boule. Ok, c'est pas du tout la même maison. Autant pour moi. Boule. Je sais pas, je vais voir avec Roger. De toute façon, il faut que tu prennes des loisirs, t'en as. Moi, j'en ai pas tellement. Bon, je travaille. Qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. Attends, je veux pas être médisant, mais elle a quel âge pour travailler? Bon, je sais que la retraite, c'est de plus en plus tard, mais quand même... Il est comme ça, et puis je pense qu'on me donnera pas la retraite de sitôt, alors... Ah ouais, c'est pour ça. Oh, la pauvre. 47, un bibichin. Hein? J'ai encore 50, attends. Hein? Attends-moi. Ouais. Arrête tes conneries, parce que ça me fait pour rire, moi. Hein?
Moi, ça fait 4 ans que je travaille plus, moi. Si je pose la question comme ça, Grisou, je pense qu'ils vont me regarder avec des gros yeux. Mais qu'est-ce que tu nous veux, toi? T'es tellement habitué maintenant tout seul. T'as Denise, t'as Jean-Paul, t'as tout ça. Qu'est-ce que je viendrais faire, moi, là-dedans? Bah, tu viendras avec nous faire des voyages, parce que je t'attends. Non, mais attends, des voyages. Attends, pour le moment, t'es pas en voyage. T'es dans les courses, là. Travaille. Du coup, ça m'intéresse, moi, d'aller au café le matin pour regarder les courses. C'est quasiment mignon la fin. La fin est mignonne. Enfin, pas trop parce que on dirait qu'ils vont se quitter, mais la fin est mignonne. Genre, il. Ça se finit de manière très abrupte, je suis d'accord. Je sais pas. Du coup, Kumak, toi qui viens de découvrir ce format striptease, qu'est-ce que t'en penses? J'adore la manière dont ils font. Et franchement, en vrai, tu vois, il y a beaucoup de gens dont moi, je kifferais plus tard, si j'ai la possibilité, ce serait de faire une coloc qu'avec mes potes que j'ai eu dans toute ma vie, avec un bon groupe de potes, qu'on fasse une coloc entre vieux, ce serait trop bien. Je préfère ça à l'histoire de moi et l'enfant de 3 ans, mes versions, le grand-père, c'est très clair. Franchement, l'histoire du grand-père de la petite fille, je pensais pas que j'ai vu le début, je fais mitigé cochon d'Inde un peu là. Je préférais abandonner l'idée. Mais j'aime beaucoup moi. Mais franchement, c'est ça, j'aimerais trop plus tard. Oh Grimzou, t'es passé juste devant, dommage. Je kifferais plus tard, c'est pouvoir. Pouvoir faire ça en fait, pouvoir m'amuser avec mes potes et tout. Je kifferais le faire. Allez, Grisou, spam, ça va arriver, vas-y. Trop tard. Je pense que c'est un peu un petit rêve ultime. De pas finir ta vie seule, ce serait cool. C'est important, je crois avoir vu des trucs comme ça en cours de socio l'année dernière, mais j'aime bien. Mais c'est bizarre que t'aies vu ça en socio parce que ça a rien de concret ou de scientifique. Hein. C'est juste très amateur. Hein. T'as rien d'étude ou de quoi que ce soit. Bien joué, Grisouille. Y'a aucune étude là-dessus. C'est juste des gens qui s'amusent comme ça. Donc, je suis pas sûr que ça soit. Si, c'était pour voir. Ok. On avait pas ça en socio. Hein. On avait pas la même chose en socio, hein, mon petit peu cher. Y'a quoi d'autre comme épisode? C'est vraiment magique ce qu'ils font. Mmh. 20 ans, oula. Mmh. On dirait pas comme ça, mais avec ces grosses pépites de chocolat, c'est une dinguerie. Pépites de chocolat. Pour les habitudes de gens, un truc comme ça pendant le repas. Ok. Oh, bah grave intéressant. En vrai, bah pour le coup, grave intéressant, en fait. Bon, les Audi, là, on s'en fiche. Ah, c'est Mercedes. J'aime bien l'intro, elle est belle. Alors, il faut acheter. La liste de l'alcool pour toi, je te dis. 10 vodka, 10 whisky. 10 vodka, 10 whisky. Ça fait 5 secondes que la vidéo a commencé. Avec son père et son fils, même qu'à un moment, il imite le père de Brut Vache et des Chèvres. Oh, je crois que j'ai déjà vu. 10 vodka, 10 whisky. Attendez, là, c'est le début de la liste. Je le donnerai à Violaine. 10 vodka, 10 whisky. 5 tequila, 2 Malibu, 5 gin. Et 2 coffres. Ils veulent pas sauter la nouvelle année, ils veulent s'enterrer sous l'alcool, là, je suis désolé. Une sangria et 4 packs de 26 Kronenbourg. 4 packs de 26 Kronenbourg. On avait fait liste des choses à acheter, il y avait préservatifs dessus. Oui, c'était une blague. Dis-moi, est-ce qu'il y aura un seul couple qui va se former, qui va directement aller niquer dans un champ et qui n'aura pas pensé à porter des capotes? Comment les
les gens ils vont savoir qu'on, leur, qu'on a des capotes à leur disposition, je veux dire. Parce que tu les mets en évidence. Tu les mets en évidence. On met trois préservatifs sur les tables de nuit, on fait des trucs. Là, ils veulent se désinfecter de tout le corps et ils veulent le purifier, là. C'est vraiment une réabsorption d'une âme prochaine, là. Attendez, attends, ça, ça pourrait être mignon, par contre. Parce que le bol de capote à côté des carottes, moi, je vois pas. Non, mais par contre sur la table de nuit ou avec un petit mot de bienvenue, un truc comme ça, ça peut s'arranger. C'est génial. Bienvenue. Faut prévoir, quoi. Putain, c'est pas un truc... Hypocrisie, c'est pas... mais c'est énervant. Ouais, c'est clair, mais... Lui là, celui du milieu, il a aucun argument. Bon, regardez, il a un argument là. Le mec à gauche lui dit ouais, non. Et après, il fait non. Regardez. Le mec au milieu, il a un argument. Le mec d'à côté dit non, c'est faux. Et le mec du milieu, il fait ah ouais. Faut prévoir quoi. C'est pas un truc. Hypocrisie, mais c'est énervant. Ouais, c'est clair, mais. Non, mais merde, je sais plus ce que je dois dire. Bon, dans les chambres, pas sur le buffet. Voilà. Dans les chambres, pas sur le buffet. Mais j'en sais rien, mais t'en sais rien. Imagine qu'une personne qui est là, dans la liste, qui est un copain de quelqu'un, va rencontrer une copine de machin. C'est pas parce que. Mais qu'est-ce qu'on sait du type qui peut y avoir entre les deux ? Il y a 5 personnes susceptibles de baiser qu'on va acheter 3 capotes, quoi. C'est pas parce qu'il y a 5 personnes susceptibles de baiser qu'on va acheter 5 capotes. Attends, vous vous rendez compte qu'ils vont acheter 10 vodka, 10 whisky, 2 Malibu, 2 tequila, je ne sais plus combien. Et ils cassent les couilles pour une boîte de capotes ? Non mais. On s'en fout, on en prend parce que c'est le principe d'en prendre, quoi, c'est tout. Ah si, je trouve ça beaucoup mieux que le bol de capote à côté des carottes. Non seulement c'est mieux au niveau de la forme, mais c'est vachement mieux aussi au niveau de la pratique. C'est-à-dire que le mec, il se retrouve en situation, genre il va... Monsieur, madame, j'ai le regret de vous dire que votre foi est parti. Toutes mes condoléances. Par contre, vous vous rendez compte que là, ils sont en train de prévoir une soirée. Pareil, le caméraman, il s'est immiscé parmi les étudiants. C'est, le caméraman, il est étudiant. Le caméraman va participer à la soirée. Le caméraman, il a fait « Eh, rajoute une bière de tequila pour moi, t'inquiète. » Descendre, aller chercher une carotte et prendre sa capote à côté, genre je prends une carotte discretos pour ramasser la capote. Et il va remonter. Genre le mec, il aura dû se rhabiller et tout. Il remonte en haut, il réfléchit un peu, il a plus envie, quoi. 5 packs de 26 chronombours. Allô ? Ouais, là je suis à Denfer, je vais arriver aux news dans 5-10 minutes quoi. Qui est là pour l'instant ? Olivia ? Et Bruno, il est pas arrivé encore. Ok, bon là je vais arriver dans 2 minutes quoi, donc il faut que je me gare, hein, ce qui ne va pas être chose aisée dans ce quartier adoré. Ouais, il ne veut pas être une chose essayée dans ce quartier. A plus, bisous. Merci, ado. Bye, ciao. Pardon, excusez-moi. Peut-être mettre ton sac, à mon avis, il rentrera si tu le mets dans le sens de la hauteur. Mais c'est une soirée ou une colo, leur truc ? Le tiercar. Le cameraman, je suis sûr que le cameraman il est seul dans l'histoire. Hein. Il est dans la voiture avec deux gens qu'il connaît pas, c'est incroyable. Le cameraman il vit sa meilleure vie là. Pourquoi là ça marche pas ? Ouais, ça marche hyper bien. Regarde. Mortel. Il y a 4 voitures, donc au maximum 20 personnes. Ils ont acheté tout ça comme alcool. T'as fait quoi ton samedi après-midi, Delphine ? Eh bien, moi j'ai gonflé des ballons. Ce week-end, mes 20 ans avec mes amis, et qu'on va faire certainement beaucoup de bruit, et que je m'en excusais d'avance. Et voilà, et si jamais vous avez quelque chose à nous dire, si vraiment c'est insupportable, vous n'hésitez pas à venir nous voir. Quoi. Y a pas de problème, vous pouvez faire le bruit à la campagne, c'est fait pour ça. On va les mettre la campagne, c'est fait pour ça, non. La campagne est faite pour être tranquille, et l'autre, il faut une grosse bruit. Bon, que. Okay.
Allez, bonne nuit, la soupière. Et puis, il y a des trucs. Il faudra quand même être fort pour aller chercher là-dedans ce qu'il y a. Bon, ça me suffit, tant pis. Ça, mes parents, ouais, ils vivaient dans une grande ville. Ils sont partis en campagne pour avoir un peu la tranquillité au final. J'ai gonflé des ballons pour ma fête. J'ai des Willy Whisky, du World Cup, 5 Tequilas, 5 Millibus, 5 Jeans et 4 packs de 26 Kronenbourg. On a fait une grosse soirée sur de la grosse teuf. L'ombre de fête que t'entends à 5 km, mais frérot, mais tellement. Mais je m'en souviens, moi, je te jure. On était dans un petit lieu dit, genre 10 maisons à côté. C'est tellement calme, le moindre truc, tu l'entends. Quand il y avait des feux d'artifice à 3, 4, voire des fois 5 km, on l'entendait. C'est incroyable tellement il n'y a pas de bruit. Il n'y a aucune nuisance sonore. Oh, vraiment. Attends, ils sont en train de ranger la vaisselle. C'est relou, c'est les assiettes, les petits trucs comme ça. Une mauvaise oublier. Attendez. C'est quoi ce... J'ai jamais compris ça, cette déco de mettre des assiettes. Venez, on achète des assiettes avec des trucs dedans et on ne mangera jamais dedans. Parce que c'est toujours très beau. Non, arrêtez. J'avais ça chez moi. Mais je sais pas, j'arrive pas à comprendre. C'est après c'est vraiment des goûts personnels. C'est comme les fleurs, là, les fleurs mortes, je sais pas. Des assiettes en porcelaine. Ah, bon, ça se comprend un peu plus. Mais même, je sais pas, il y a des fois, il y a des trucs qui sont un peu surcotés, je trouve. Il y a beaucoup de choses des anciennes décorations que je trouve très 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 surcotées. C'est relou, c'est les assiettes, les petits trucs comme ça. Une mauvaise oublier, je vois. Enfin, je ne sais pas quand même si jusqu'en haut nous sommes obligés de les enlever. Bien malin sera celui qui essaiera. C'est tellement joli. Sera celui qui va essayer de les atteindre. On cherche des hypothèses en fait pour rendre inopérationnelle une allumeuse en pleine soirée qui scotche ton mec, qui lui court après, qui lui fait des avances monstrueuses. Qu'elle est là, et donc, mais je veux dire qu'elle, tu vois, qu'elle soit, mais. Si elle boit de la tequila, tu mets du gin. Tu vois, tu mélanges. Ça la décalque. Ils sont en train de prévoir des stratégies au cas où si un mec essaie de draguer leur. Si une meuf essaie de draguer leur gadjo. Et là, leur technique, c'est quoi? De la faire vomir? Mais c'est quoi? C'est des délires de mes parents ou de ma mère, je sais pas. La décor, il y en a qui ont des figurines pop, il y en a qui ont des assiettes, c'est... Ouais, après, voilà, je pense que c'est aussi une question de génération. D'ailleurs, figurines pop, et j'ai vraiment une question, je sais pas si vous en avez. Est-ce que j'en ai? J'ai beaucoup acheté à des potes, mais j'en ai jamais eu pour moi. Est-ce que vous gardez l'emballage ou pas pour les figurines pop? Des stratégies lugubres, mais de ouf, hein. Alors c'est ça ce qu'elles disent quand elles font un plaisir aux toilettes. Elles font un plan de guerre pour savoir quoi donner à boire pour que ça vomisse encore plus vite. Let's go. On rend malade, on devient malade quoi. Toujours se balader avec les mots de laxatif sur soi. Et là, discrètement, l'air de rien, quand on se sent un petit peu agressé, hop, dans un verre. Éliminé. Ni vu ni connu. Ouais. Et là, radical. Élimination. Là, on la voit plus de l'éliminer. Mais bon, bien sûr, il faut penser à partir avec sa boîte de laxatif. En soirée. Mm. Mais tu vois, quand tu connais des allumeuses, c'est comme les capotes, faut toujours en avoir sur toi. Mortel, il est 17h, la salle est quasiment vide, il y a 3, ils sont 7, plus elle qui vient de rentrer 8, c'est mortel, attention, c'est mortel, la soirée est mortelle, mortel c'est le mot, tu m'étonnes, je pense qu'ils auraient juste s'arrêté, ah c'est mort, la soirée est morte, pour m'asseoir à un canapé et profiter mais de vous, mais déjà les ballons je comprends pas, ils gonflaient des ballons bleus, maintenant ils sont rouges les ballons. Waouh, la soirée! On a du cookie! 20 ans, ça se fait. Seb, il est venu finalement? Sébastien Maillard? Mais il devait pas venir! C'est génial! Oh, c'est trop génial! Bonjour!
Bonjour, il y a Chloé qui descend tout de suite. Et il vient avec Julien. Par là. Elle va descendre par là. Il est accompagné? Non, il est tout seul. Il est tout seul? Il est en format avec vous, celui-là, non? C'est ça? Ouais, pendant 2 ans, il était en format. Puis il a réussi. Ah, il l'a eu, lui? Ouais, il l'a eu, ouais. Philippe et Laetitia s'aiment bien. Par contre, c'est incroyable comment on n'a pas capté c'était l'anniversaire de qui. Vous avez capté de qui il s'agissait l'anniversaire? Moi, j'ai pas compris. Hein. Ils ont des trucs pour la lumière, trop bien. Ils ont une boule disco. Attendez. La vidéo est mensongère. Regardez. C'est un 2 et un 1. Ils auraient pas 20 ans, mais 21. Oh là là, ça tourne mal. Ah, il y a 2 anniversaires. Autant pour moi. Ouais, ils sont 3 soufflés. Vous avez juste plus de 0. Ils ont ramené un micro. Et c'est Sophie qui fête son 20e anniversaire et elle part sur son 3e gin tonic. Oh, let's go! Merci à tous d'être venus. D'accord, t'as un micro à une soirée pour des 20 ans d'une gamine, mais dis pas, sois pas. C'est trop cérémonial! Merci à tous d'avoir accepté l'invitation envoyée par carte postale. C'est un honneur de pouvoir vous accueillir ici pour fêter une année de plus à l'autre grognasse. Sophie, c'est le prénom de ma mère. Ah, désolé. Maman, qu'est-ce que tu... C'est... Attends, ta mère a quel âge? Parce que c'était en 98. Donc là, elle a 20 ans. Donc si on calcule 20 ans plus 24, ça nous fait 44 ans. Est-ce que ta daronne a 44 ans? Dis-nous de son Kuma. Est-ce que ta daronne avait de... Ça m'étonnait pas. C'est pour ça aussi qu'il y avait donc la décoration en porcelaine d'assiette. Dis-moi, j'ai appris des trucs qui m'ont fait pleurer. Vas-y. Il paraîtrait d'après, mais tu sais, je suis un peu le directeur de... Il est bourré. Au cas où. Il paraîtrait que tu as fumé de la drogue. Ah, alors... J'ai mes sources. Il paraîtrait que tu as fumé de la drogue. Sophie, tu l'as fumé de la drogue. C'est pas bon la drogue, Sophie. Une fois, oui. Voilà. Attends, je remets depuis le début. Merci à tous d'être venus. Dis-moi, j'ai appris des trucs qui m'ont fait pleurer. Vas-y. Il paraîtrait d'après, mais tu sais, je suis un peu le directeur des renseignements généraux. Il a dit quoi? Je suis un peu directeur des renseignements généraux. C'est quoi cette phrase? Non, mais ça n'existe pas. Il paraîtrait d'après, mais tu sais, je suis un peu le directeur des renseignements généraux. Il paraîtrait que tu as fumé de la drogue. Une fois, oui. Voilà. Et j'ai eu l'impression de loucher pendant toute la soirée. C'est comme ça toujours. C'était horrible. J'avais l'impression de loucher. C'était abominable. Ouais, dis-moi que tu recommences pas, c'est mondial. Qu'est-ce qui se passe quand tu fumes? Je louche. Le pire effet secondaire de fumer de l'herbe du diable. Mais tu sais... Tu rigoles, tu crois quand même pas que je recommençais ça? Non, mais c'est pas ce que je veux dire. C'est que... Est-ce qu'ils vont se pécho? Un peu de gens qui auraient du sexe ce soir. Est-ce que tu penses qu'il y aura du sexe ce soir? Non mais le type. Britney Spears vibe. Ils m'ont dit vous reconnaissez quand même que vous pouvez être accusé de tapage nocturne. Je fais oui évidemment, j'ai fait du bruit après 22h et j'ai dérangé des gens. Donc je vais pas être folle dingue et vous dire que non, vous plaisantez, je faisais un bal musette dans ma maison. Même un bal musette quoi. Mais donc je reconnaîtrais, enfin c'est vrai, c'est typique le cas de tapage nocturne, tu vois ce que je veux dire. Donc de ce côté-là, j'ai pas nié quoi. Mais bon, je lui dis, je sais très bien que vous faites votre travail, c'est tout à fait normal. J'ai rien contre les gendarmes de campagne, je les connais pas, c'est tout quoi. Enfin, c'est tout.
quoi. Puis j'ai jamais eu l'occasion de me retrouver dans une gendarmerie. C'est plutôt ça, quoi. Et je lui ai dit hein, que c'était intimidant. Hein, que il m'a dit qu'après la soirée j'avais pleuré et tout toute la nuit. Il m'a fait vous auriez pas dû. Je lui ai fait bon, vous êtes gentil, quoi. Vous avez quand même gâché ma fête, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Vous n'êtes pas venu avec un gâteau. Ah, ils sont carrément venus. Ils ont gâché la fête. La fameuse soirée avec les ballons bleus. Et des bougies pour me dire de continuer à m'éclater, quoi. Il a été plutôt cool. J'ai fait une déposition. Après lui, il y aura pas de suite, quoi. C'était assez comique. Il m'a fait corriger ses fautes d'orthographe. Toi ? À toi, il a fait corriger ses fautes d'orthographe ? Quoi ? T'imagines ? Ce qui est quand même étonnant, c'est que hier soir, quand ils sont venus, c'est le petit gros qui m'a parlé, qui m'a laté pendant tout le temps. Et aujourd'hui, c'est quand même le petit sous-fifre, enfin, qui n'est peut-être pas un sous-fifre du tout. Lui, il fait standard, accueil. Le mec, il faisait tout, quoi. Allô, oui, bonjour, ne quittez pas, oui, bonjour, c'est bien. C'est un peu le mec riolo de la bande, dis donc. Et il m'a fait remarquer que ce n'est pas parce qu'il était un petit gendarme de campagne que il a pas fini sa phrase. La jeunesse ne peut s'amuser qu'avec du bruit. Oh, c'est drôle. C'est petit. T'avais vraiment envie de dire, mais pauvre con. T'es ce petit mot là, toujours pour rire. Il a ressorti son cours de médecine aussi. Elle veut pas sourd à 30 ans. Et vous êtes né où? À Boulogne-Billancourt. C'est dans quel département ça, s'il vous plaît? C'est en Algérie. Mais ce n'est pas parce que je suis un petit gendarme de campagne que... Attention! Je ne connais pas ma géographie. Excusez-moi. Oh non, les ballons! Il n'y a plus de ballons! Pouf, yes. Il n'y a plus de musique. Ah non, la vidéo, ils ont coupé le son de la vidéo à cause du DMCA. Non, sérieusement? Ouais, c'est ça, il y a le DMCA. Je dois faire des fautes d'orthographe pour être automoded. Ils sont là, les ballons bleus. Ils ont jamais existé. Des personnes. Ta gueule, Quentin. Putain, où est-ce que je suis? Non, c'est... Moi, franchement, cette émission-là, ça me trouve le cul. Me dire que ça existe, et que ça existera encore par la suite, c'est incroyable. Moi, c'est insane. Pa-pa-la-pa-pa-pa. Est-ce que vous voulez qu'on s'en fasse un troisième? Moi, je suis chaud. Venez, on se fait... C'est celui-là. Merci, YouTube. Alors, le titre, c'est du mental à revendre. On s'est vu hier. Vous allez bien? On s'est vu. Le Jeff Bezos français au sourire de Didier Deschamps en 2014. Que des gens ont des questions déjà avant de commencer? Non. Eh, c'est moi ou c'est le président qui a acheté les bouteilles d'Evian? Ils en ont tous une pleine, même pas ouverte. Regardez le premier de la classe! Les chicots grincheux. Regardez le premier de la classe! Regardez qu'il a sa petite chemisette, son petit truc. Il est droit. Aujourd'hui, c'est moi qui vais sucer le patron! Très introvisé ce présentateur. Ok, on va faire un petit tour de table alors, savoir un petit peu qu'est-ce qui vous attire dans le milieu de la vente. On va commencer par vous. Oui, allô? Oui, bonjour.
Il se sent pas à l'aise. Regardez-le, il fait... Mais elle ne me respecte pas, elle me dit bonjour alors qu'elle est au téléphone. Connasse. Hello. Oui, bonjour. Vous allez bien? Oui. Donc en fait, pour faire un point précis, hein, moi, voilà, j'ai 4 CV en main. 4 CV de profil intéressant. Non, ça, c'est les gens que j'ai reçus là depuis mardi, quoi. Mais quoi, c'est... qu'est-ce qui se passe? Oui, il reste solo. Enfin, de toute façon, pour l'instant, moi, objectivement, je peux vous dire ça se passe très bien. On a un bon taux de retour. Hier, on attendait 10 personnes. Il y en a 9 qui sont venues. Les gens ont accroché avec Franck, ont accroché avec moi. Ils nous ont complètement achetés. De la santé, du social, tout ce qui est fiscal. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, chaque foyer fiscal, d'accord, perd entre 4 000 et 10 000 francs par an, par méconnaissance des droits les plus élémentaires. Alors, comment ça vous fait réagir tout ce que je viens de vous expliquer, là? Est-ce que vous trouvez normal qu'on vous dise pas ça? Non. Alors, par rapport à ces deux exemples-là, ce qu'on vient de voir aujourd'hui, qu'est-ce qui coûte le plus cher dans la vie tous les jours? Connaître ses droits ou ne pas les connaître? Ne pas les connaître. Demain, dans le même cas, ça vous arrive. Est-ce que vous allez réfléchir, je le fais, je le fais pas? Ou est-ce qu'au contraire, vous allez agir et faire valoir vos droits, maintenant que vous le savez? Je vais agir. Ok. Alors on imagine, tac, coup de baguette magique, votre moyen d'information, tel que vous venez de me le décrire, avec une armée d'avocats à votre disposition, il est là, il est devant vos yeux, et il coûte 800 francs par mois. Vous foncez, vous le faites? Moi, je peux. Sûr? Monsieur? Attention, la parole de l'homme vaut l'homme. Hein. Alors, c'est 7 volumes comme ça, la couleur... La parole de l'homme vaut l'homme? À méditer, vous avez 4 heures. Ça vous va? Ouais. Ouais, vous avez de la place là? Vous allez mettre où dans votre appartement? Bah, j'ai une très jolie bibliothèque. Ouais, bon, ça va alors. Excusez-moi, je vais passer. Hop, hop, hop. Alors, laissez le volume. Du 1 au 5, d'accord? C'est ce qui va tout ce qui est droit civil, droit du consommateur, droit pénal, droit commercial, droit communautaire, droit international, le droit de l'immobilier, le droit rural, le droit de l'environnement, le droit des assurances, le droit du travail, le droit de la sécurité sociale, le droit de la femme. Ok, alors, au niveau de la livraison, peut-être... Il y a une partie pour le droit de la femme, carrément. C'est chaud. C'est quoi, le matin ou le soir? Le soir. Le soir, d'accord. Alors, qui s'occupe de tout ce qui est administratif? C'est vous, monsieur, je crois. Hein. Ouais. Ouais, donc pendant que je commence à remplir le dossier, vous allez me chercher donc votre dernière fiche de paye, la dernière fiche de paye de mademoiselle, un RIB, un chèque annulé et une quittance de loyer. D'accord, on fait comme ça? Pas de problème. Voilà. Voilà comment on vend aujourd'hui le juridique. Ouais, mais d'accord, je peux comprendre qu'il y a un droit aux animaux, puisque au final, ils sont théoriquement pas à la même échelle que nous, donc il y a des choses à régler, mais les droits des femmes, genre, c'est bizarre. Il y a du droit pour toi, tout est défini, oui, mais je sais pas, je trouve ça bizarre, droit des femmes, théoriquement, en quoi c'est différent? En fait, ce que je veux surtout savoir, c'est en quoi c'est différent de celui des hommes, surtout en... Attends, c'est en quelle année? En 2000, donc en 2000, genre, pourquoi? Vous auriez encore un produit, excusez-moi pour le terme, de merde. Je veux bien. Genre vous vendrez des briquets, qu'est-ce qu'ils vendent encore? Des tableaux, de la sérigraphie, de l'assurance, des portes blindées, des aspirateurs. Des pluches. Ça veut quoi? Des pluches, on en a vu. Mais moi, je n'ai jamais de l'office, je l'ai fait, leur boulot. Franchement, ces mecs-là, mais ils ont du mental, quoi. Franchement, ces gars-là, ils ont du mental. Vous vous rendez compte qu'il arrive avec sa pluche et il doit rentrer chez le client et sortir avec 2000 balles. Avec une pluche qui vaut 10 balles chez Intermarché. Ou avec une boîte de chocolat. Mais ouais, les mecs, ils ont du mental, ces gars-là. Mettez-vous à leur place, quoi. Faut monter les escaliers, faut taper à une porte, faut rentrer, faut vendre une pluche que vous vendez 2000 balles. C'est la réinsertion, c'est le machin et tout. Ben non, vous, c'est un produit, ils vont tout seuls. Attendez, aujourd'hui, sincèrement, d'accord, soyez tous honnêtes. On imagine que vous étiez des clients. Moi, je passe chez vous, je vous fais cet argumentaire-là. Qui aurait pris le juridique? Vous l'auriez pris ou vous l'auriez pas pris? Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Vous... Franchement, les trois dernières, elles n'allaient pas faire « Non, moi, je suis différente. » Non, franchement, tout le monde disait « Oui », elles allaient dire « Oui ». Franchement, il les incite à dire « Oui », là. Quand t'es prêt à envahir Paris, c'est avec le juridique. Mmh. Ouais. Faut qu'il soit... On dirait pas un Mr Bean un peu cheap? On dirait clairement un Mr Bean cheap.
Très bien, donc on va conclure. Voilà. Si les gens ont encore des questions qu'ils me posent. Sinon. Vous avez encore des questions? Passez en tout cas une bonne soirée, un bon week-end aussi. Sympa votre chapeau là. Oh les chicots. Oh là là. Un épi de maïs le truc. Depuis combien de temps tu sketches, tu parles et tu... Ils savent tous que c'est du porte-à-porte, ils sont tous prêts à le faire. Alors, Francesca. Francesca. Alors. Lui, c'est aussi, par contre. Hein, alors, lui, c'est aussi. Alors. Et alors, tu sais quoi, mardi, tu fais signer tous un contrat. Qu'est-ce que tu vas nous payer une sacrée tournée? Que moi? Qui c'est qui doit payer une tournée à qui là? Putain, hein? C'est toi qui vas nous payer la tournée, c'est le directeur d'agence qui va payer la tournée à tous ses collaborateurs. Il y en avait combien aujourd'hui? 9? C'est simple, on attendait 10 personnes, il y en a 9 qui sont venues sur les 9 et apparemment ils sont tous en train de. Pourquoi t'en as dit? Parce qu'on a été bon. C'est clean quoi. Allez, on va traquer à Lévian. On va traquer à Lévian, fais gaffe. Ok. D'accord. Ok, ça marche. Ouais. D'accord, bah voilà, c'est ce qu'on voulait savoir. Oui, non, mais ça, c'est ce qu'on... Alors, vendre du rêve, on est devenu spécialiste avec Monsieur Jouvin. On est carrément, c'est la Dreamland, hein, ici. Hein. La c'est Dreamland. Comme ça qu'on va rebaptiser l'agence, hein, Dreamland. Il n'y a pas de problème, on a bien compris ça. Hein. Ok, à plus tard. Mais là, c'est pas du rêve, je veux dire, c'est réaliste, c'est bien. Sur 6 ventes, 10 000 balles. En dessous de 6 ventes, c'est quoi? 1 000 balles la vente? Ouais. Là, c'est la même chose. Hein. Mm. C'est à 5 ventes, ils font 5 000. À 6 ventes, ils font 10 000. Ouais. Ça les pousse à faire 6. C'est clair. 6, donc 6 ventes au premier mois, 8 ventes le deuxième mois. Il t'adhère s'il est capable. C'est bon, ça risque d'en mettre le feu aux fesses, ça. Bah, c'est le but du jeu. Mm. Ouais. C'est quoi, franchement, Paris? C'est elle qui a inventé le Dream Team, c'est ça, Kuma. Ouais. C'est elle à l'origine de tout. C'est mieux. Bien sûr. C'est normal, c'est bon. En règle générale, pour un contrat de VRP, vous n'avez pas de fixe. Vous n'avez pas ce qu'on appelle un minimum garanti. Nous, on vous propose un minimum garanti qui est sujet à deux conditions. La première condition, c'est que vous ayez un mois effectif de présence dans l'entreprise. La deuxième condition, qui n'est pas très difficile non plus à réaliser, puisque vous serez avec vos responsables de vente qui sont là pour ça, on vous demande une production d'un minimum de 6 contrats. D'accord, pour le mois. Pour le mois. Ça veut dire une moyenne de 1 à 2 contrats par semaine. Tout à fait entre vous et moi, faut pas faire ça, Cyr. Hein. Maintenant, j'aimerais effectivement savoir à votre. Entre vous et moi, il faudrait pas faire ça, Cyr. Non, mais c'est quoi ces expressions? Faut arrêter. Niveau, quelle est votre décision? Bien sûr. C'est très très intéressant, surtout point de vue rémunération. On l'espère bien. Oui. On veut que vous soyez fidèle et productif, c'est exactement ça. N'hésitez pas, c'est maintenant. J'ai plus le choix après. Pas forcément. Non, après, vous me posez toutes les questions. Hein. Pourquoi vous avez retenu ma candidature? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes ce que moi j'appelle une personne saine, c'est-à-dire que vous avez ce que moi j'appelle un mental, d'accord? Vous avez l'air d'être serein, vous avez l'air d'avoir un équilibre personnel, et vous avez une manière de regarder les gens dans les yeux qui me plaît bien. Et paf, il a été complimenté et maintenant il sait plus quoi dire. Et le fait qu'il regarde bien les gens dans les yeux, il va faire que ça. Vous regardez à partir de maintenant, il va la regarder dans les yeux en mode voilà, dit que je regardais bien dans les yeux, je vais faire que ça. Et vous avez une manière de regarder les gens. Regardez comment il agit maintenant. Il faut être franc. Voilà, espérons que ça dure. On sait jamais. Au revoir. Bonne journée. On n'a pas vu tant que ça me bon. Bon, t'as ton premier commercial. Guillaume. L'homme à la barbichette. L'homme à la barbichette. L'homme à la barbichette, voilà. Voilà, et ben c'est bon. Il a dit oui quand il a vu le mode de rémunération, il a eu les yeux qui se sont mis à briller. Oui. Bonjour monsieur. Bonjour. Je m'appelle monsieur Modu, je suis délégué juridique. Uh-huh. Je suis chargé de rencontrer toutes les personnes qui travaillent. Ouais.
C'est votre cas ? Ouais, c'est mon cas, ouais. Oui ? Je suis là pour vous informer, en fait. Est-ce que vous savez qu'il y a des droits qui sont cachés ? L'État vous cache des droits, est-ce que vous êtes au courant ? Non. Non ? Vous n'êtes pas au courant ? Non. Et bien, en fait, l'État vous cache des droits. Ah bon ? Et vous perdez beaucoup d'argent. Vous êtes sûr, ça ? Eh oui, c'est estimé entre 4 et 10 000 francs par an et par foyer fiscal. Mais c'est qui ? On trouve ça ? Après des enquêtes et des sondages que nous avons réalisés, nous sommes aperçus de ça. Vous êtes le propriétaire, locataire, le principal ? Je suis locataire, sinon. Principal locataire ? Ouais. Vous avez une femme ou une conjointe ? Vous êtes bien illettré, vous, quand même, je trouve. Non, parce qu'il faut... Je suis chargé chez moi, vous avez des questions, oui. Je travaille, une femme... Ok, excusez-moi. Je suis chargé de rencontrer le couple entier, le couple. Le couple entier, oui. D'accord. D'accord. Ok, donc si vous... Mais là, il n'y a pas de couple entier, en fait. Il y a encore un pigeon que je me suis fait, c'est faux. Un couple tout seul. Voilà. Donc je peux vous le rencontrer. Il est pas à l'aise. Pas tout de suite, là, franchement. Non. On peut prendre rendez-vous Parce que je suis là, en fait, pour vous informer des droits que vous connaissez pas. Ah bon, ok. D'accord. L'élève, il tape le prof? What the fuck? Oh, les numéros anonymes. Est-ce que vous serez intéressé pour avoir une isolation à 1€ chez vous? C'est pourquoi? Bonjour, monsieur. Voilà, je me présente, je suis monsieur Carouget. Ouais. Et je suis chargé de rencontrer toutes les personnes qui travaillent. Est-ce que vous, c'est votre cas? Ouais, on travaille, ouais. On travaille, pourquoi? Parce que nous... ce que je... Vous voulez des panneaux solaires sur votre... C'est exactement ça. Chef, c'est je m'embrouille. Ouais, mais vous n'êtes pas déjà venu? Ça fait deux fois que vous venez, vous, je crois. Je crois que c'est toi qui me prends un quart d'heure. Oui. Bonjour monsieur. Bonjour. Je me présente, monsieur Carouget. Je suis chargé de rencontrer toutes les personnes qui travaillent. Ouais, c'est mon cas. Très bien. Pour passer. Voilà. Vous êtes déjà venu tout à l'heure, je crois, vous. Hein? Il refait sa blague, hein? Ça rentre. Hein? Ouais, ça rentre. Oui, je suis persévérant. Ouais, mais c'est pas jeu. Je vous ai vu plusieurs fois, vous. Mais donc la porte, c'est pas évident. D'accord? Ah bah ça, c'est clair. Non, mais... Allez, vous en avez fait combien, vous avez fait de portes? Je sais pas, une cinquantaine, là. Une cinquantaine. Mais regardez, au bout de la cinquantaine, je vous ai laissé rentrer. Donc, il y a forcément des gens qui vous laisseront rentrer à partir du moment où vous êtes clair dans votre démarche, d'accord? Que vous êtes sympa avec les gens, que vous vous intéressez à eux, et que vous faites bien votre boulot. Tout simplement. En général, moi, ce que je fais quand les gens ils m'appellent comme ça... Déjà, ils me demandent si je suis propriétaire, je leur dis non, je suis locataire. Et ils me disent, ouais, j'aimerais bien m'entretenir avec... Ils disent toujours le nom de mes darons, je sais, ils sont morts. Et les gens, ils font, ah bah désolé, bonne journée, et après ils sont bons. J'ai déjà dit cette excuse et ça marche trop bien. Allez, on y va. C'est pas par là? Ouais, peut-être, ouais. Je suis sûr que vous n'avez pas encore de tractopelle chez vous, mais quelle erreur! Imaginez, un tas de terre tombe du ciel dans votre jardin. Qu'allez-vous faire? Prendre l'appel trop long, demander à quelqu'un d'autre trop cher. Je vous propose la tractopelle. Elle est bizarre, hein? Le film d'horreur. Pourtant, ça, c'est l'heure où les gens sont chez eux en général. Moi, ça commence à rentrer à partir de 17h30, quoi. Ouais, mais aller sonner à minuit, les gars, c'est mauvais plan. Les gens qui rentrent du célibataire, chez nous, ils sont tâches. Téléphone. Bonjour. Délégué juridique, oui. C'est mon collaborateur. Bonjour. On doit rencontrer tous les gens qui habitent ici et qui travaillent. Est-ce que c'est votre cas? Parce que là, tes mecs, ils vont commencer à faire des ventes. Dans 2-3 semaines, ils vont vouloir voir la gueule des locaux. Ils vont vouloir en entendre parler. Ça va faire société fictive, tu vois. Genre, on s'est posé à Paris 3 semaines et on se casse dans 3 semaines, quoi. Il y a bien un mec dans leur entourage qui leur dit, t'as pas l'impression que ta société, elle existe pas. Et les bureaux, là? Ils en ont parlé ou t'en as entendu pas? Vous faites 15 ventes.
t'as les bureaux. Faites pas de 15 ventes, t'as pas de bureau. C'est quoi cette société? C'est légal ce qu'ils font? Je monte à la... c'est légal ça? J'arrive pas à ça, je sais pas, elle me met un doute d'un coup là. Ils ont pas le droit de faire ça? Ça veut dire que si tu les fais, on va t'applaudir. Si tu les fais pas... On me laisse crever. Donc ils sont en train de vraiment de me prendre pour un con. Donc ça veut dire que les mecs, on s'en fout de leur gueule, d'accord? On les fait zoner dans un hôtel, dans des salles de formation comme ça. S'il y a du chiffre à partir de là, on va leur donner des bureaux pour qu'ils soient tranquilles. Et s'il n'y a pas de chiffre, on les jette dehors, quoi. Bah ouais. Ok. C'est ça, en gros? C'est-à-dire qu'en gros, moi, on doit niquer les vendeurs, et moi, à la rigueur, je prends le risque de me faire niquer. D'accord? S'il n'y a pas le chiffre, je me fais niquer. Et je dois fermer ma gueule. Mais comment je vais faire 15 ventes équipes avec des jeunes qui viennent de démarrer? C'est pas possible. Mais c'est pas possible. C'est impossible. Même les mecs, s'ils démarrent le plus vite possible, on va pas faire 15 ventes comme ça dans la semaine. Un bon secteur Bah hier c'était bon et puis hier j'avais deux petits immeubles qui étaient sympas et puis voilà. Fatigué. Il est où ton moniteur? Franck. Oui. Comment s'est passé votre journée? Difficile quand même hein. C'était difficile. T'as fait quoi Cédric? Une argue, une fine. Une argue, une fine? Serge il fait qu'une argue et Fred il fait qu'une fine? De quoi vous êtes en train de me parler? Il y a des vendeurs à lui tout seul, il fait ce que vous faites dans une journée. Oh la cravate, elle est magnifique. Fred, il fait qu'une fine. Regardez déjà cette cravate, elle est déjà pas mal. Regardez celle-ci. Cette cravate est mucha pepito. Elle est incroyable cette cravate. Insane. À lui tout seul, il fait ce que vous faites dans une journée. Eh bah battez-vous un peu plus aux portes, hein. Soyez un peu plus vorace, rentrez, vous faites 200 portes. Si on laisse pas rentrer, si on laisse pas rentrer, mais comment ça, il même pas rentrer. Qu'on peut même pas voir les personnes parce qu'à l'interphone, il ne laisse pas rentrer. Alors pourquoi lui, le premier jour, il fait deux argues alors? On l'a bien laissé rentrer, pourtant il vient de Strasbourg, ça n'a rien à voir. Quand on a envie de rentrer, on rentre. Et bah au lieu de taper 80 portes, on en tape 200 s'il faut pour rentrer 5 fois. Hein. Ah mais là, je suis en train de péter un pont là. C'est quoi ce délire? Voilà, et ça se finit comme ça, c'est... la finesse de striptease. C'est se couper instantanément, sans prévenir. Je trouve ça assez drôle. Non, franchement, c'est quoi ce délire, fin? Vous êtes vraiment des merdes! Coupez, c'est bon, fini, allez, on arrête. Mais en fait, non, moi, ma théorie, c'est le caméraman, tu vois, il a commencé à filmer, etc. Il écoutait l'autre se plaindre. Et malheureusement, il les a engueulés. Lui-même se sentait gêné. Est-ce que j'aurais dû lâcher la caméra pour aller toquer aux portes et leur demander hey, est-ce que vous auriez besoin d'une tractopelle? Est-ce que vous travaillez dans le chantier? Non, eh bien, apprenez. Je pense que juste, il était gêné. Et puisqu'il était gêné, bah, il a éteint la caméra, ils avaient plus de rush, et puis voilà. Hein. Ça s'est fini comme ça. Hein. C'est obligé. Sinon, quelle explication vous me donnez à ça? Il n'y en a aucune. C'est quoi ce délire? Paf, coupé, action. Allez, fin de journée. Franchement, ça doit être un sacré délire quand même de toquer aux portes. Tu t'en vas, Gripzouille? Passe une bonne nuit. De toute façon, je crois que je vais pas tarder, moi, non plus. Mes chaussettes, je les ai pas enlevées de tout à l'heure. Oh là là, et des vêtements comme ça, quand tu les enlèves, ça fait du bien fou. Non, franchement, ça doit être un métier assez complexe à réaliser. Non, c'était pour couper comme ça d'un coup. Tu l'as bien fait, Gazou. Et t'as bien coupé, j'ai écrit. Ah, franchement, je sais pas si c'est un taf que je ferais. Même en tant que taf étudiant, etc. Parce que pendant un moment, j'avais cherché taf étudiant, qu'est-ce qui était le plus simple.
Il y avait plein de travailler dans un drive, dans travailler du porte-à-porte. Il y avait quoi d'autre aussi? Un truc que j'avais essayé de chercher, j'ai pas trouvé pour finir, c'était testeur de jeux vidéo pour trouver des bugs. Et à ce qui paraît, t'es payé aux bugs. Et malheureusement, j'en ai pas trouvé en fait. Ah, c'est pas des bugs que j'ai trouvé, c'est que j'ai pas trouvé de société qui proposait ça. Ce que j'ai fait une fois, c'est j'ai donné mon corps à la science. Je prenais des médicaments et ils faisaient des mesures dans mon sang, dans mon urine, dans ma salive. Et pendant plusieurs semaines, je faisais ça. J'allais souvent à l'hôpital pour qu'ils me fassent des petites prises de sang. Et j'ai gagné 400 balles comme ça. En prenant des médicaments vite fait, vite def. Et ça, c'est trop bien. Je crois que tu peux participer à 2 ou 3 expériences dans l'année où tu peux donner ton corps. Et je trouve la démarche trop cool. Parce que moi, c'était dans une démarche, c'était de la cortisol. Je prenais du cortisol. L'objectif, c'était de voir si je prenais une certaine dose de cortisol, qu'est-ce que ça faisait comme rapport avec mon corps sur mon taux de glucose. Calculer quoi aussi? Je pense qu'il prenait les données de poids, les données dans le sang, mais je ne sais pas lesquelles. Vraiment, j'y suis allé en mode, bah, donne-moi la cortisol, je le prends et on bat les couilles. Vraiment, j'y suis vraiment allé comme ça. Et voilà, 400 balles facilement. Ça me prenait pas beaucoup de temps. Le seul truc qui était un petit peu hard, ça me donne des frissons, mais ok. Ah ouais? Je veux pas essayer du plutonium. Je vais devenir Batman. Non, le seul truc qui était un peu glauque dans cette histoire, c'est qu'on allait à l'hôpital tous les jours et il fallait des relevés urinaires du matin à 8h quand tu te levais. C'est Superman. Oh, excuse-moi, je me suis trompé. Il fallait un relevé urinaire de 8h, un relevé urinaire de 10h et un relevé urinaire de 18h. C'est-à-dire que je pissais dans des bocaux. C'est un peu glauque. Je pissais dans des bateaux, donc à ces heures-là, je les mettais dans des congélos. Et quand j'allais à l'hôpital, je lavais mon petit sac et je leur donnais directement à l'hôpital. Avec mes horaires, à quelle heure je me suis levé, tout ça. J'avais toute une fiche où je devais remplir des trucs comme ça. Et en vrai, c'est cool. Voilà. Des fois, voilà, j'allais à l'hôpital et dans mon sac, je me trimballais avec mon urine congelée. Des bocaux de pisse. Exactement, vraiment. J'étais en mode, oh là 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 là, j'ai des bocaux de pisse dans mon sac. J'ai trouvé, franchement, j'ai fait ça avec un pote. J'ai dit 400 balles, vas-y, c'est pas négligeable. Et on s'est fait plaisir, hein. Très clairement, on s'est fait plaisir de fou. Hein. Et je regrette pas. Je regrette aucunement d'avoir fait ça et toujours de la thune mise de côté, hein. Ce que j'ai fait avec ces 400 balles d'ailleurs. Je crois que j'avais économisé pour je sais plus quoi faire. Oh monsieur, vous avez fait tomber ceci. Oh mon bocal de PC, merci madame. Imagine, tu trébuches dans le bus et tu renverses. Mais l'urine était congelée. Genre, j'avais. Allez, 15 minutes grand max. Entre sortir de chez moi, prendre le tram et arriver à l'hôpital, j'avais 15 minutes grand max. Donc, ça ne pouvait pas décongeler et tout renverser. Mais t'avais ce délire un peu chelou de. Tu pisses dans ton bocal, tu le fermes et tu le mets dans le congélo comme ça. Tu renverses le casson. Qui veut un mojito congelé? Pou, pou, pou. Et c'est un truc où je suis ultra déçu parce que j'ai pas pris de photo de tout ça. J'ai pris aucune photo. J'ai juste des souvenirs dans ma tête et ça restera que là-dedans. J'ai aucune photo des pots avec ma pisse à l'intérieur et tout. Bon, je sais pas si je l'aurais présenté non plus, mais ils sont aromatisés. Attendez, j'ai peut-être encore un souvenir. Attendez un instant. Regardez, ce sac, c'est un sac basique. C'est marqué quoi? C'est marqué See You Later. Alors, hashtag recyclage. Oh. Bref, c'est un sac assez basique en réalité. Et en fait, c'est un sac qu'ils nous ont donné. Il nous sort le bocal. C'est un bocal de 2013, je l'ai gardé jusque-là. En fait, ils nous avaient donné ce sac-là pour qu'on mette nos pots à l'intérieur dans un autre sachet encore et qu'on ramène tout comme ça. Et ils nous avaient laissé les sacs sans voler. Ils n'ont pas vidé. Si, mon urine de 98. Attendez, c'était quoi?
Je crois que j'ai entendu une... je sais pas si c'est chez mes potes ou un truc que j'ai entendu d'un pote. C'est un mec tous les ans. Je sais même pas si je l'ai vu. Peut-être que je l'ai vu sur les réseaux. C'est un mec tous les ans. Il s'amusait à pisser dans un bocal. Et comme ça, il avait... tu sais, le 1er janvier, il avait son urine de l'année, tu vois. Et tout, il avait une étagère avec plein d'urine, etc. Je sais plus si c'était de l'urine ou autre chose. Du coup, il aurait pas dit dommage que j'ai pas des photos de cette époque. Bah si, j'aurais pu dire je vais vous montrer une photo, mais pas le bocal où ça glisse. En plus, il fuit un peu le bocal. Je trouve des taches sur mon mur, c'est bizarre. On avait vu en cours, on a étudié là-dessus ce qu'il y avait dans Grand Cul du 1er janvier 90. Mais je suis quasiment sûr que le type, il fait, je crois que c'est de l'urine. Et il le gardait et je sais pas ce qu'il en faisait. Surtout que ton urine du 1er janvier de chaque année, ça doit pas être celui le plus sobre. Imagine, il fait une capsule temporelle. En gros, il met plein de souvenirs de son époque, de lui-même, etc. dans un truc et l'enterre. Et il met un de ses bocals. Un de ses bocaux d'urine. En vrai, bénef, hein. Bénef pour passer des messages. Si l'urine elle reste jusque-là dans des millénaires, les gens ils pourront l'étudier et ils verront. À l'époque ils mangeaient beaucoup de ça et tout, et ils pourront savoir ce que les gens mangeaient à l'époque grâce à cette urine. Bon, c'est une grande théorie, hein. Rien de concret dans tout ça. Hein. Mais ça doit être quand même bizarre d'avoir une étagère avec toutes les urines tous les ans. Ça, c'était le premier, j'ai vu dans le 2. Après 10 whisky, 10 vodka. Et un tour chez le petit gros et le petit chétif à la gendarmerie. Ça a été fait aussi avec les eaux trouvées dans les catacombes de Paris. De quoi? De savoir ce qu'ils ont mangé et tout? D'ailleurs, j'ai une vraie question. Les catacombes de Paris, j'ai déjà vu des vidéos de gens qui, pour la nourriture qu'ils mangeaient. Ok. Les catacombes de Paris, on voit des squelettes dans les murs, etc. Ce sont des vrais squelettes ou c'est eux qui l'ont décoré comme ça? J'arrive pas à me dire, ouais, ce sont de vrais squelettes. C'est incroyable. Ça a l'air d'être des vrais. Attends, je vais redescendre. Catacombe. Paris, vrai squelette. Question. Alors, en effet, il y aurait 6 millions de squelettes. Waouh! Oh. Écoutez, ce sont des vrais. Découvrez la culotte lavable, ta gueule! En 1680, le cimetière était tellement plein craqué, petite anecdote, un mur d'une cave d'une propriété bordant le cimetière s'est ouverte sous la pression des enterrements excessifs et des pluies de printemps entraînant une inondation de corps à moitié décomposés et des maladies. Et c'est comme ça qu'en réalité, la peste exista. Quand j'y suis allé parce que j'ai pas touché. Putain. Est-ce qu'il y a un peu une ambiance un peu bizarre? Il y avait plus de place dans les cimetières, la peste et ce genre de maladies ainsi que la pauvreté étaient là. Voilà. Ça m'étonne pas. C'est ça, en quelques mois, les autorités ont donné la fermeture des innocents et des autres cimetières de la ville. Plus aucun corps ne pouvait alors être enterré dans la capitale, alors la menace de la santé publique tourne toujours imminente. La ville a également décidé de supprimer le contenu des cimetières actuels. C'est là qu'un plan efficace a fait surface. Il faut savoir que jadis, la ville abritait un certain nombre de vieilles mines et carrières, ce qui était parfait pour un ossuaire souterrain servant à entreposer les morts. Entre 1787 et 1114, donc ça fait 1114, donc ça fait 20, 10, 13, 37 ans, les eaux ont été placées dans les profondeurs des mines. En fait, ce que je trouve glauque perso, c'est qu'ils les ont empilées et quasiment fait des structures avec, genre comme si c'était fait pour être beau. Et paf, ça fait les chocs à pic. Avant, c'était pour la pierre qu'il y avait des mines. Ok. Ok.
Est-ce qu'il y a des jeux vidéo sur les catacombes de Paris? Jeux vidéo catacombes Paris. Tomb Raider, je suis pas sûr. Ce serait stylé par contre. Et après, pour sans doute gagner de la place, ils ont pillé les os. Ouais, mais... Je sais pas, parce que... C'est-à-dire qu'il les laissait décomposer, et quand ils étaient décomposés, ils allaient prendre les os et les empiler, ou alors il enlevait les os, il les empilait, il laissait décomposer les corps, je sais pas, il y a... Waouh. Je sais pas, il y a un truc bizarre. Je crois que... Non, dans Tomb Raider, il y a... Oh, c'est ça. Mais oui, c'est un épisode de JDG, ça. En effet, dans Tomb Raider, il y a un Tomb Raider qui se fait à Paris. Et Tomb Raider, voilà, c'est... Tomb Raider, voilà, c'est... Je sais pas comment dire de plus, c'est... Piller des tombes, en gros. Genre, essayer de trouver un truc assez grand, avec des squelettes, qui peut rappeler des tombes, dans Paris. Qu'est-ce qu'il y avait de plus obvious que les catacombes? Ils ne l'ont pas fait! Mais non! Ça aurait été trop simple! C'est bizarre qu'ils aient pas fait les... C'est pas les catacombes. Non, c'est des temples élémentaires. Oui, mais bon, je sais pas, je trouvais ça... C'est obvious. Même un niveau, tu vois. Ils enlevaient la viande pour la manger, et ensuite ils empilent les os. Mais arrête, Crimsouille. Cannibalisme, Paris. Cette histoire. Pourquoi il y a un seul mec qui ressort quand je marque Cannibalisme Paris? Quoi? Alors, Issei Sagawa, surnommé le japonais cannibale, né le 26 avril 1949 et mort le 24 novembre 2022, est un japonais. Faut vraiment écouter où ils viennent. Un japonais célèbre pour avoir tué et mangé en partie une étudiante néerlandaise à Paris en juin 1981. What the fuck? Mais what? Mais incroyable! Mais attendez, je l'ai écrit dans mes idées de vidéo, ça. Un jour, peut-être, j'en ferai une vidéo, écoutez. Hop, j'ai tellement d'idées. J'ai un drive avec tellement. J'ai 5 pages d'idées de trucs que je pourrais faire. J'ai un truc, ça s'appelle le cavalier apocalypse. Je sais même pas ce que c'est. À Paris, au Québec, petite région du RSS. Oh putain. Tu me fais rire. Cannibalisme à Paris. Ok. C'est bon, c'est écrit. Bah écoutez, j'ai tellement de trucs à la con. Genre, c'est quoi le cavalier? Ah, si, je sais ce que c'est le cavalier. Le pet rocté, on en avait parlé l'autre jour au Kuma. Et j'avais déjà écrit. Des articles sur le fait que les pandas sont faux. L'effet Stresson, c'est quoi cet effet? C'est faux. Stresson, c'est quoi? Stresson, plutôt. Est un phénomène médiatique inventaire et se produit lorsqu'en voulant empêcher la divulgation d'une information que l'on aimerait cacher, on aboutisse au résultat inverse. Ok. Fort intéressant, fort intéressant. Je pourrais faire une vidéo sur l'émoticône Kappa ou sur le... Mais Grimsouille, arrête. L'émoticône Kappa, j'ai déjà écrit le script. Hein. J'ai déjà toutes les idées et tout, mais le script ne me plaît pas. Et il faut que je le réécrive. J'ai déjà 4-5 scripts de vidéos qui sont écrites et juste je me lance pas. Et je reste bloqué. Mais Kuma, je vais te suivre sur ta lancée.
C'est le 9 novembre. J'en avais parlé sur Discord que je voulais faire une vidéo dessus pendant un moment. Et pareil, j'ai écrit et je l'ai pas fait. Bref. Triplaine. Écoutez, moi je vais m'arrêter là-dessus. Franchement, ça a été. Et en vrai de vrai, c'est. Sachez-le, c'est la première fois que je fais un stream où je joue pas. C'est la première fois où je fais vraiment un stream sans jouer ou quoi que ce soit, où je fais que de parler, qu'on regarde des vidéos, qu'on. Ou quoi. C'est vachement sympa. Je sais que Kuma et Grisou, vous m'avez clairement accompagné là-dessus. Franchement, merci à vous deux. On a pu discuter. Franchement, c'est trop striptease incroyable. Mais ouais. Franchement, après, il faut je pense qu'il faut choisir au préalable. Si, tu as joué à Sémantics. Ouais, mais tu vois, c'est. Je trouve ça, je considère pas ça comme un jeu, tu vois. De base, franchement, ce soir, je voulais faire Evoland 2. Alors j'en suis. Ma manette n'est toujours pas connectée. J'ai jamais lancé le jeu de la soirée. Et je trouve ça trop bien de me dire que je peux faire un peu ce que je veux. C'est vachement cool. Voilà. Je voulais juste vous le partager. Et merci à vous deux. Et merci à toutes les personnes qui étaient sur le stream de manière générale. C'était un stream que j'ai agréablement apprécié. Bref. Sur ce, je ne vais pas vous garder plus longtemps. Et je vais vous souhaiter une excellente soirée. Merci à tous. Faites de beaux rêves. Grimzouille, tu n'attraperas pas le... l'étoile avant la fin, malheureusement, je crois. La prochaine fois, on se regarde, c'est le jour de la marmotte. Mais même d'ailleurs, les jours universels, on n'a même pas tout regardé, on a regardé le coup de mois de janvier. On aidera ça un autre jour, promis. Bref. Gros bisous à vous, faites de beaux rêves. Merci à toutes et à tous. Merci à Raptor qui s'est follow il y a 2 heures actuellement. C'est bien sympa. Bonne nuit à toutes et à tous. Et à la prochaine. Ciao!